Pardon, pardon, venez vite, on parle. Vous êtes là. Partagez la vidéo, pardon, bipez les voisins. Bipez les voisins. Venons, on rit. J'ai des rires jusqu'à... Je dis que... On peut faire ça. Je ne fais que rire, je ne fais que rire. Ouais, Dieu, je veux faire comment pour ne plus rire. J'ai arrivé jusqu'à rire, rire, rire. Ma zui, canouchoum. Ouais, que tu es là, mon bébé tété. Ouais, bipez les voisins. Bipez les voisins. Moi, mon quorum doit bientôt être atteint. Je suis la seule que je me connecte avec 10 personnes. Je parle. Je suis Jacques Correct. Comment vous allez? Eh, mes bio. C'est la maman. C'est la maman. J'ai arrivé. Ça dit qu'il y a les choses qui font, hein, je peux mourir de rire. On reprend la dictée quand madame, il y a les élèves. Les élèves sont prêts pour écrire. Les élèves sont prêts pour écrire. On leur fait la dictée. Coucou Marine. Hey, ma belle soeur d'amour, comment tu vas? Il y a les choses qui me font rire. Vous voyez, non? On dit souvent, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour je sais pas moi. Voilà, il y a un temps pour tout. Vous comprenez, non? Il y a un temps pour tout dans la vie, franchement. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un dicton qui dit aussi, laissez les morts enterrer leurs morts. Laissez les morts enterrer leurs morts. Bipez les voisins. Eh, je vais dire. Eh, Dieu. Eh, affaire de Facebook, ici, là. Zoukembe. Zoukembe. Tu avais créé quoi comme ça, Zoukembe. Regarde comment la femme, le teint de la mère Guyou. J'ai un teint Guyou. Je te dis, mes huiles végétales, il n'y a pas mon deux. J'ai un teint gu. Regardez comment je parle. J'ai mon teint gu. Lui partage jusqu'à Yabassi. Que ça arrive à Banganté, ça arrive à Bassamba, ça arrive à Foko, ça arrive aussi à Foreke. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Oui, oui, oui. C'est Dieu qui est fort. Regardez une maman. Je n'ai pas les rides. Hein. Je n'ai pas les rides. J'ai les traits d'expression. J'en ai un ici. Attends. Les mouches, vous êtes là? Capturer les traits d'expression quand votre patron injecte le botox. J'ai une trait d'expression qui se dessine ici. J'ai une fan qui m'a appelé pour me demander mon sérum naturel parce qu'elle voit que ma peau, je n'ai pas les rides. Oui, oui, je suis, tu as dit que, hein, économiquement belle. Blonde Alice, je sais pas où elle est, mon bébé. Alicia Chou, viens. C'est le deuil. Il faut qu'on pleure le deuil ici. C'est pas possible. Ce n'est pas Dieu pensable. On peut faire ça. On peut faire ça, mes gens. On peut faire ça. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir un cœur noir comme ça, là, jusqu'à ce niveau-ci. J'ai ri, mais je reste souvent, je dis que mais c'est pas possible. J'étais même où? Mon forme brame d'ainsi. Je bénis Dieu du ciel. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Moïse et de Jacob. Le Dieu de mes ancêtres. Qui m'a retiré quelque part. J'étais où, non? Hey, on peut faire ça. Oui, lé, 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 lé. On ne peut pas faire ça, tété Tosta. Je te dis, mon bébé tété, on ne peut pas faire ça. Je ne peux pas accepter qu'on peut faire ça. Bonjour. Hey, vous ne dormez pas. Vous aimez alors le Japap, le confinement de Mbengla, non? Vous êtes là, je vois les éloquents, je vois les gens qui sont debout. Je sais qu'elles sont en train de partager ça partout. J'étais dans la douche, j'étais dans... Elle m'avait loupé. Tu vous savez quand le boa va avaler quelqu'un? Le boa. Donc, il prend sa salive parce que la salive du boa est gluante comme le bobolo, comme le gombo. Donc, il te loupe, 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 il te loupe. Donc, le boa, non, datoum, datoum, douboum, 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 douboum. Et maintenant, tu deviens gluant. Hein? Comme si on fait... Tu vois, non? Avant ça... Il t'encercle, il t'entoure, comme on a entouré Moumou là. Il t'entoure, il t'entoure, il t'entoure. Et il serre tous ses os. Tes os font comme ça. Ça se casse. Tu vois, non? Et il te garde serré comme ça, même 10 jours. Beaucoup de jours. Jusqu'à ce qu'il s'assure que tu es morte. Pour savoir que tu es morte, c'est quand tu deviens glacé. Oui, c'est quand tu deviens glacé. Quand elle a fini maintenant de te serrer, elle sait qu'elle est déjà morte. Maintenant, tu sais ce que le bois fait. Le bois maintenant met sa salive comme le gombo là. Et puis il t'absorbe. Dès qu'il t'absorbe, il reste sur place. Ça, c'est putain de l'île. On a enterré la femme de Jean Cancan Samedi en Allemagne. Tu n'étais pas au deuil, pourquoi? Dites-moi un peu, pendant le confinement, si. Ok?
pendant le confinement, j'ai attendu. Je me suis dit que bon, peut-être qu'elle fait les directs, elle est là-bas. J'ai essayé d'attendre parce que j'aime toujours avoir les renseignements et mon intégrité, mon cœur pur qui m'épargne, des rides. Merci, ma belle sœur d'amour. Et je dis que je regarde mon visage, je n'ai pas. Il y a les traits d'expression. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un trait d'expression. Ce n'est pas mes lunettes qui font. Donc, quand elle parle, j'ai un trait d'expression. Mais ce n'est pas trop à l'aube de la cinquantaine. Parce que je suis clean. Je suis clean, je suis propre. Vous comprenez, non? Tu n'es pas allé à l'enterrement de Sandrine en Allemagne. Tu es venu ici sur Facebook mentir que Sandrine n'est pas morte. C'est quoi que tu couvres? C'est quoi que tu couvres, Fleur de Lille, Magina Kinkan, Koulibaly, la sœur de Dema Poum Poum, les deux tueuses de Marabout? Tu couvres quoi? Pourquoi tu veux cacher la mort de Sandrine? Pourquoi? Sandrine est morte ou elle n'est pas morte? C'est quoi le projet? Tu crois que ton Jean Cancan communicateur est un mythe? Tu crois que le monde entier va tout... Je lis sa photo, je sais c'est qui. Je connais toute son historique, famille, enfant, nombre, j'ai tout. Tu comprends? J'ai tout ce qu'il faut pour le publier. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce qu'on recherche Jean Cancan? Tu ne peux pas t'asseoir et dire qu'on est en train de prendre même la journée de samedi comme 13. Samedi, qu'est-ce que tu mets? Tu dis plutôt que non, tu ne fais pas le direct parce qu'on est en train de faire le mariage de l'autre, de notre bébé, de notre bébé. Oui, cette fille-là peut être notre enfant à nous deux, putain, tu as 54 ans. Tu pars coucher avec Coco Mia. Coco Mia, comme dit Master Valérie Amougou. Donc, je te dis que tout pour toi, rien pour les autres. Fleur de Lille, tu n'es pas allé à l'enterrement de la femme de Jean Cancan. C'est normal, Fleur de Lille. Mais allô, quoi? Tu es sur Facebook en train de demander l'argent. Tu viens t'asseoir, tu dis que sa femme n'est pas morte. À quoi tu joues? J'étais où? Dieu. Shabbat Yahweh. Si, on dit que taper le mur. Ya, putain. On a enterré la femme si le samedi le 10. Tu n'étais pas là. On l'a enterré en Allemagne. Si tu veux, je t'amène l'adresse du cimetière. Je t'amène où on l'a enterré. Tu comprends, non? Parce que vous pensez qu'on est ici comme ça, on ne connaît pas les choses, quoi. Et puis, c'est une bangantée de sucre. Donc, je te dis, on a enterré sa femme. Est-ce que tu comprends un peu? Je t'ai dit que je suis ici, là. Je suis pour toi. Ça veut dire que je suis l'épine sous ton pied. Tu comprends ce que je dis? Je dis, je suis l'épine sous ton pied, ma chérie. Quand tu vas t'asseoir, tu vas rester, tu vas dire que, merde, j'étais allée sur Facebook créer une team, créer la reine. Mais je suis tombée sur une mère, là, ça sera moi. Je t'ai dit ça. Bouchons, Menzui, Jean Cancan, Allemagne. Hein? Ces métiers où tu veux que je donne les adresses et tout. Ou comme ici, le communicateur sans partage. Un goy. Un chonky. Chonky. Tu n'es pas allé au deuil, Choki. Choking, oui. Ou on aime vous. Tu viens dire sur Facebook qu'il n'est pas mort. Que sa femme n'est pas morte. C'est quoi que tu couvres? Est-ce que Jean Cancan serait un mythe? C'est qui? Est-ce qu'il est comme le Guy Emma qu'on cherchait trop là? Ou bien il est comme. Tu sais, il y a les gens sur Facebook qu'on cherchait beaucoup. On disait que si on trouve la personne, on va lui faire ceci, on va lui. Jean Cancan, c'est qui? À part partager ton apologie, Paris gagné, Paris tombé, Paris pas tombé, que c'est même fini, que Paris t'a englouti. Paris t'a englouti. Attends, j'épingle, parce que si je n'épingle pas, Clarence va me mettre ça beaucoup de fois. Oui, les publicités, les www. Choking, goi, le beignet, c'est-à-dire que le deuil, on a enterré. Il n'y avait pas les beignets haricots. Tu n'as pas porté les beignets pour traverser toute la France, arriver en Allemagne avec. Tu viens t'asseoir sur Facebook, tu annonces aux gens qu'elle n'est pas morte. Flore. Imagine à quelqu'un. Après, ta soeur de ma poum poum va venir me dire que je dois te laisser. Je te laisse pourquoi? Je te laisse pourquoi, imagine à quelqu'un. J'étais où? Ce que tu m'as fait, c'est ça que tu fais aussi aux autres. Oh là là. Moi, je pensais que c'était seulement pour moi. Mais c'est ta façon d'être, chérie. C'est ta façon d'être. Je pignais avec Jean quand je continue. Je te dis que toi et moi, non, ma chérie. Tu es ma tasse de thé. Tu es la crème que je me oins avec. Toi et moi, c'est-à-dire que c'est balle au pied. Je ne discute avec personne.
Tout ce qui t'intéresse, c'est l'ayant. L'ayant. Anangrenga, tu ne l'aimes pas. Toi-même, tu ne t'aimes pas la charcuterie de ça. Choupi Banga, pas du tout. Choupinette, pas du tout. Qui tu aimes? L'ayant. 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 Comme il fallait que tu dépenses pour aller il a dépensé, il est venu jusqu'à Paris. Pour tes choses, pas une fois, pas deux fois. Ce gars de Jean Cancan. Le deuil, Fleur de Lille. Le deuil de sa femme qui est venue, on était ensemble, que chaque temps là. Tu fais monde, tu déclares sur Facook qu'elle n'est pas morte. Oh Sandrine, depuis les cieux, ma chérie, paix à ton âme. Sandrine, je me rappelle de toi, paix à ton âme ma chérie. Flor Magina Kenkem dit à Facebook que tu n'es pas morte. Donc au prix de Facebook, tu renies le deuil. Oh non, ça là, c'est quelque chose que... Je dis, je parle, mes oreilles chauffent. Parce que vous n'avez pas connu cette femme, cette Sandrine, d'une douceur inouïe. Vous êtes sérieux? Hein? Vous êtes sérieux que Magina Kenkam vienne déclarer sur Facebook que la femme de Jean Cancan, son communicateur, n'est pas morte? C'est quoi que tu veux couvrir? Tu veux que je le publie? Je peux te publier Jean Cancan ici maintenant. Tu veux que je le publie, putain? Je le publie? Est-ce qu'il a alors recherché? C'est un mythe. C'est qui? Jean Cancan, c'est qui en fait? C'est ton communicateur, mais puis quoi? Il communiquait sur quoi? Tout est tombé. Le bateau a coulé. Tout a coulé. Tu as même les produits, tu as commencé en VIP, tu as coulé. Coulé maintenant, la racaille, le Kaamelott. Laboratoire caca. Il y a quoi en fait? J'ai dit, il y a quoi en fait? Yay! J'étais ouf. Seigneur, merci de m'avoir prêté longue vie pour voir tout ça. Parce que j'aurais pu être comme ça, que peut-être mon cadavre tombe là, et puis putain, essaye d'étouffer pour toujours demander la yang. La yang, la yang, la yang. Même ton corps, tu n'aimes pas la charcuterie de ça. Tu parles de quoi? Tu es malade? C'est comme quand j'ai dit que je me suis dit non, elle n'a pas fait son dikeke. Direct jusqu'à dire qu'il n'est pas mort. Tu veux couvrir quoi sur Facebook? Tu veux montrer quoi aux gens? Putain, imagine qu'un camp Fleur de Lille. Tu veux montrer quoi aux gens? Hmm? Tu veux montrer quoi aux gens, ma chérie? Tu caches le deuil. Tu t'assois sur la mort de la femme de ton communicateur. Quelqu'un qui a œuvrer pour toi si c'est 4 ans, si c'est 5 ans sans partage. Les mouches ont déjà perdu les ailes. Pour les mouches, je les ai mis en métastase. Vous savez que les métastases, c'est quoi? C'est les cellules, non? Les cellules se mangent entre elles. Et puis les bonnes cellules se mangent par les mauvaises cellules, envahissent le corps et puis c'est fini. Boukfou. Boukfou, frère. C'est fini. Boukfou. 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 Wow. Elle n'a rien à foutre de ceux qui l'ont aimé dans ses bêtises. Ceux qui t'ont soutenu gratuitement. Sa femme, Sandrine, paix à ton âme. Oh, Sandrine, fille de mon beau. Si, Koptou, ou Lode Buntu, tes deux garçons, Sandrine, tes deux garçons, ma chérie, veille sur eux. J'espère que ton mari, la Jean Cancan, me quoi de mouille, mouille, bangante, la boutine, choufoumba, man, teman, boumkou, voulounje, la, me quoi de mouille, chobin, kode, kakama, nyam chou. J'espère pour toi. Je dis bien, j'espère pour toi. Parce que Sandrine, la maladie était plusieurs années. Tu étais tout sur Facebook en train de faire tes pet que tu fais là. Je te dis ça, hoha. Je te dis ça, hoha. Putain, n'a peur de dire que Gaston Machipon, son enfant était décédé. Mais ça, tu es venu sur Facebook dire que tu sortais de l'enterrement d'une enfant de ta copine. Tu as parlé du deuil de Gaston, de l'enfant de Gaston Machipon. Pourquoi tu tues pour Jean Cancan? Jean Cancan, c'est un mythe. On amène Jean Cancan où? On fait quoi avec Jean Cancan? C'est la galette? C'est la galette des rois? C'est quoi? C'est le biscuit qui le recherche? Vous là, qui me suivez, est-ce que vous voulez trop la photo de Jean Cancan? Jean Cancan, bah oui. Pour que tu ne peux même pas prendre même une journée de ta page de merde, de haine, et dire que, observons le deuil pour la femme de mon communicateur. Ma chiponnette, Gaston, bête, caca. Tu as fait le deuil de l'enfant jusqu'à tu as parlé ça ici. Jusqu'à tu m'as envoyé les captures qui faisaient savoir que c'est Gaston, mais tu me disais avec ta bouche que c'est pas. Comme tu me prends pour une sombre idiote. Une sombre idiote comme toi là. Oui. Tout ça parce que tu as peur qu'on va dire que oui, le deuil. Peut-être les mouches vont se lever et dire que oh, voilà, faisons peut-être une quête. Ou faisons quelque chose. Comme ça va couper ta part. Oui. Oui. J'ai dit ça, hoha. Ça m'a fait quelque chose. J'étais où? Heureusement. Ça veut dire que quand tu es la haine de l'éternel, pendant ces 3 années, putain, tu disais toi à tes gens que non.
Tu disais toi à tes gens que méfiez-vous de la PDG, le faux nom même que tu m'as donné, que j'ai effacé sur moi juste parce qu'on ne peut même plus jamais m'appeler comme ça. Vous comprenez, non? Quand tu disais ça tout le temps, qu'elle n'est pas simple. Parce que tu m'as essayé, tu as jaugé, tu as tout fait, ça va donner. Ça va donner pour Tana. Je te donne la vérité ici, propre, l'heure juste à l'eau. Jean Cancan n'est jamais Satan éternel. Satan éternel peut écrire la carte de français. Jean Cancan écrivait le vrai français. C'est un intello. C'est un ingénieur en Allemagne. Vous voulez qu'il donne son petit nom? Vous voyez, il est caché. Il a enterré sa femme samedi. Sandrine, on a enterré samedi en Allemagne. C'est quoi? Tu viens sur Facebook déclarer qu'il n'est pas mon pour me discrédibiliser. Je suis une menteuse, putain. Là. Tu veux que je te montre, je t'amène l'adresse du cimetière? Tu veux que je t'amène toutes? Tu veux que je t'amène les photos du deuil? Tu es malade? Tu fumes quoi? Tu devais te cacher, putain. Je t'ai dit que quand tu me cherchais, tu ne savais pas. Tu sais, le calme. Le calme. Comme je te coule, m'en veux. C'est là comme Saint-Denis touche, là. Ma chérie, j'ai dit que, ma chérie, ne t'amuse pas un peu avec moi. Tu comprends? Ne t'amuse pas. Vous voyez, non? Ne t'amuse même pas un peu avec moi. Vous comprenez, non? Vous êtes sérieux? Ton communicateur, le gars qui a œuvré, Paris est monté, Paris est tombé, chute de Paris, déclin de Paris. Moi-même, il m'appelait ici, ne dormait pas. Ouais, comment? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, ceci. Oh, pour le cheval calèche. Voici, je t'envoie tel montant. Ceci, cela. Il avait même contribué. Je vous ai dit ici qu'il a contribué 100 dollars sur le cheval calèche que j'avais pris à 900 et quelques. Jean Cancan faisait partie des gens qui ont contribué pour ça. Oui, il était là. Parce que bon, il est entré dans un mouvement et puis le mouvement bougeait. Tu fais ça, Fleur de Lille? Tu fais ça? Tu veux que je t'envoie le faire pas ou les photos ou quoi, la photo du deuil? Quand Sandrine, on a enterré samedi en Allemagne, putain, tu es bonne pour qui? Tu aimes qui en fait? Fleur Magina Cancan, tu aimes qui? Putain, tu aimes qui? Hein? La douce Sandrine, noire, bio, naturelle, toute. C'est une femme nette. On était au bâton ensemble partout. Tu parles de quoi? Tu as fait mon quoi. Pour toi, c'est rien. Et toi, Jean Cancan, moi, même les nambou, tu sais que tu es baranté. Je ne parle mais je suis très sérieuse. Je ne blague même pas. Parce qu'il y a mort d'homme là maintenant. Là. Ok? Oui, elle était malade. Ce n'est pas Angoï qui l'a tuée. Mais une fois qu'elle est morte, respectez qu'il y ait un deuil dans la famille. Mouf! Angoï, respecte qu'il y ait un deuil. Regardez-moi ça. Tu es malade. Tu viens t'asseoir sur Facebook. Tu dis qu'elle n'est pas morte. Tu veux couvrir quoi? Les choses de Facebook. Facebook, c'est quoi? Tu veux couvrir quoi sur le virtuel? Ben, c'est là que tu manges. Ben, c'est là que tu manges. N'importe quoi. Tu me fais honte, putain. Plus que honte encore. Ça dit que hein, mieux tu restais, tu faisais ta mendicité, mais tu ne couvres pas. Gastonette, ma chiponette, avec son enfant qui était décédé. Ça, tu es venu parler ça ici. On sort de l'enterrement d'un enfant de ma copine, a fait ceci. Pour Jean Cancan, qui a tout fait. C'était les gens, ça dit quand il écrivait son français, il partageait là, c'était quelque chose. C'était quelque chose, c'était un poids. Oui, on était derrière. On avait donné nos épaules et nos dos. On était comme ça derrière. Hein? Je t'ai dit, quand tu as commencé avec moi, que tu vas chuter. Je te l'ai dit, putain de Lille. Tu as blagué. Tu as blagué avec moi. Tu m'as vu comme je sais pas quoi là. Voilà. On est rendu à ta chute dévastatrice. Ok? Je dis bien dévastatrice. Dévastatrice. Tu es ici. Tu es ici. Mes biopublis ont fini avec elle. Non, Sandrine. J'ai rencontré Sandrine. C'est une femme d'une douceur inouïe. Paix à ton âme, ma chérie. Paix à ton âme. J'espère que ton mari, comme il y a les hommes, papa Congo, ça qui aime encourager les pépettes des choses des femmes, j'espère que toi, Jean Cancan, là, hein, tu vas un peu sortir dans ça. Peut-être que tu vas me faire fermer un peu même ton compte en attendant. Tu comprends, non? Tu veux un peu te calmer. Parce que c'est même pas un mythe. Est-ce que vous cherchez Jean Cancan? Vous partez où avec lui? Est-ce que Jean Cancan insultait les gens? Comme Gaston Machipon? Est-ce que Jean Cancan insultait les gens comme Gaston Machipon? Non. Mais il aimait le mouvement. Ça faisait comme une euphorie. C'était quelque chose un peu comme les nous là qu'on a entré. C'était ceci. Oui, il a œuvré. Tu comprends? Et tu viens, tu dis que sa femme n'est pas morte. Flor Magina Cancan, devant tes abonnés. Juste pour couvrir quelque chose qui a l'air d'être mythe. Mais c'est quoi? Tout ça pour Facebook. Par rapport à quoi? Je le publie même maintenant si je veux. Je mets sa photo et tout. Et puis quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi en fait? Est-ce qu'on cherche Jean Cancan?
Est-ce que c'est un wang-tet? Est-ce que c'est un wang-tet, Jean Cancan? Pourquoi tu caches la mort de Sandrine? Pourquoi l'âme de Sandrine ne te fait pas bouger sur ta chaise, putain, de Lille? Tu es sadique. C'est vrai. Ta soeur de Manon et toi, vous tuez les marabouts. Vous êtes les tueuses de marabouts. On ne sait pas combien d'humains vous avez tués, mais les marabouts, vous en avez tué en masse. On connaît votre guerre des marabouts. Et c'est toi qui vas venir faire des directs pour dire n'allez pas chez les marabouts. Que ta soeur et toi, vous tuez les marabouts. Le duo des champs qui tue les marabouts. Vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Oh, je te dis ça là, ça m'a. Vous savez, hein, des fois, tu restes, tu dis bon, ok, je ne sais pas mes affaires, je ne me mêle pas. Tant pis. C'est ses affaires, c'est son truc, c'est ceci, c'est cela. Mais pour avoir milité dedans, pour avoir été dedans, mon image, que je le veuille ou non, est collée à cette satanée de team de merde que j'ai vomi jusqu'à. J'ai envie de couper même mes pieds, laisser ici et partir sans ça. Ma chérie, et un peu honte. Un peu honte. Paix à l'âme de Sandrine. Je ne peux même pas dire à Jean Kanka parce que aussi dupe comme il est stupide, il va encore s'élever avec les divertissements. J'ai pas commencé à écrire les choses. Tous les injures que vous avez fait sur mes enfants, sur ma femme, ça vous a amené où? Ça vous a amené où? Tu n'as pas honte, Fleur de Lille? Tu n'as pas honte? Non, c'est vrai, tu ne peux pas avoir honte. Tu ne peux pas avoir honte au nombre de... Écoute, tu peux pas... La honte a foutu le camp chez toi, ma chérie. La honte a foutu le camp. Tu comprends? Et ta sœur, vous avez dit que vous êtes un duo de champs. Parce que quand les gens commencent à dire, oui, vous parlez des villages, moi, je, dans mon langage, ceux qui me suivent sur le net depuis des années, je ne suis pas quelqu'un qui parle avec les villages. Je ne peux pas dire les Douala, les Bassa, les Ceci. D'abord, mes amis sont d'autres villages. Quand on avait dit Bami Power, j'ai accepté parce que c'était le développement de ma région apolitique. Dès que ça a tourné, j'avais pris mes pieds mis dehors. C'est comme ça. Je ne veux rien qui concerne les Ekan, les Bami. Je ne suis pas dedans. Quand tu dis même qu'elle a insulté les Bami, je ne me sens pas concernée. Elle a insulté les Bami qui l'ont attaqué. Point final. Il y a des gens, quand ils insultent, ils portent à une tribu. C'est leur, peut-être, dans leur langage, on les a appris à parler en termes de tribu. Tu vois, non. Nous, on va s'occuper de... Envoie inbox. Non, non, l'âme de Sandrine doit se reposer en paix. Le volume est parti. C'est qu'ils sont en train de signaler. L'âme de Sandrine doit se reposer en paix. Les cancans gens bizarres que je ne connais pas qui veulent faire partie de ma vidéo. Je ne fais pas des vidéos. Je ne suis pas comme Pitana qui veut beaucoup de gens, 5000 comme ça, tout. Je ne suis pas comme ça. Et qui n'est pas capable de vendre un coffret de parfum là. Je ne suis pas comme ça. Moi, je veux 10 personnes, mais 10 personnes proactives. Des personnes qui réagissent et qui font les choses. C'est eux, la crème de la crème. Donc, je suis. C'est même trop aujourd'hui là. Là, j'ai percé même. Vous comprenez? Je peux vous dire que j'ai percé. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce que c'est beaucoup pour moi. Moi, j'aime mes 20, mes 30, mes 50. C'est comme ça. Je suis à l'aise avec eux. Et on fait nous nos choses. Et on avance tranquillement, lentement, sûrement et bien. Parce que nous, on est dans le... Vous m'entendez? Ok, merci. Nous, on est dans le pur, le durable, le réel. Quand on nous écoute, non. C'est la même chose jusqu'à la gare. Tu ne peux pas dire que la femme de Jean Cancan, Sandrine, n'est pas morte. Je refuse ça. Je te dis bien, putain à l'île, je refuse ça. Ma mère, bio, je t'appelle après, maman. Tu m'envoies ça. Voilà, là, mes bébés, tété. Là, si tété prêt, elle va aller mettre les photos. Non, je respecte le repos de l'âme de Sandrine. Elle a laissé deux garçons. Je respecte aussi, ça dit que la continuité de la vie de ces garçons. Comparativement à Jean Cancan qui a laissé qu'on insulte mes enfants. Jean Cancan, tu as laissé les abeilles de la team de Flo Magina Cancan insulter mes enfants. Je peux mettre les photos de tes fils en train de jouer au soccer, là, que j'ai là. Je peux mettre ça ici. Tu comprends, non, Jean Cancan? Tu as fait ça. Tu as fait ça, monsieur. Tu te souviens? Mais moi, les enfants. Je mets toujours les enfants à l'écart. Parce qu'après, c'est lourd. C'est lourd parce que les enfants, ils ont une vie. Vous voyez leur ascension. Ils sont vraiment, c'est dessiné, c'est léger, c'est limpide, c'est fluide. Vous comprenez? On ne peut pas venir... C'est ça. On ne peut pas venir, comment dire? On ne peut pas venir commencer à mettre les enfants dans les conneries des adultes. Ce n'est pas normal. Ça, il faut toujours les épargner. Mais toi, tu as cautionné ça. Toi et puis Japap, divertissement, Japap Langala. Celle-là qui est sa face dure comme ça, là. Vous là, qui êtes en voie de perdition, la team de merde. Vous avez tellement gâté les gens. Franchement, tu dis que l'ouverture, maman Jean Cancan était au bateau avec nous, avec sa femme. Douce, belle, la maladie a eu le dessus. Paix à ton âme, Sandrine. Paix à ton âme. J'aimerais qu'on observe une minute de silence pour le repos de l'âme de Sandrine. Je fais ça pour Sandrine, pas pour Jean Cancan. Parce que toi, Jean Cancan, Pélé, mon frère Baranté, là où tu m'as mise, là, au Forbourg Gringer, tu devais jouer ça un peu Jean Smart. Mais tu as œuvré comme ça. C'est comme ça que Dieu, c'est lui qui va te parler. Tu comprends, non, Jean Cancan? C'est lui qui va te parler.
Après, je vais te supplier de m'envoyer toi avec ton bon cœur. Franchement. Franchement. On doit respecter la mémoire. Vous savez, moi, j'aimerais qu'on prenne une minute de silence pour Sandrine, la femme de Jean Cancan. Puis, Flo, imagine à quelqu'un, tu dois prendre la route de l'Allemagne. Peut-être que c'est les gens que tu cherches pour aller avec toi, comme tu ne connais pas aller seul. Quand tu es devant, on fait, on te met, on te boutoumouloulouloulou. Le temps de répondre, c'est maintenant. Tu t'en où tu réponds. C'est maintenant que tu vas montrer aux gens que oui, vous m'avez soutenu, me voici aussi derrière vous, on est ensemble. Petite mauviette, petite sympathique, petite tchache, petite méchante, petite sorcière. Tout c'est la yam. Toi, tu aimes souvent la yam. Sandrine va te visiter dans les rêves. Parce que tu dis Linger. Sandrine va te visiter. Sandrine, visite-moi-là. Visite-moi-là, Sandrine. Les morts ne sont pas morts. Repose en paix. Repose en paix, Sandrine. Une douce femme. Posée, belle, bio. Bio, quand je dis que bio, là, moi, je suis même brune. Vous comprenez, non? J'ai ces photos. C'est pas les choses qu'on parle, là. Merde. Parler de quoi? Hum? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux, là? Hum? Putain, là. C'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas. Toi, pute de ton état, je t'ai pris, j'étais élevée. Oh, sans mesurer que le comme ça. Enfin, tu n'étais pas ma copine. Même mes amis, je sais mettre mes amis en haut. Mais toi, tu n'étais pas mon ami. Mais je t'ai élevée. Parce qu'un humain, on doit respecter l'humain. Quand on dit que quelqu'un a un grade comme ça, on le met sur sa chaise. Jean Cancan a œuvré pour toi. Tu ne pouvais pas venir dire sur Facebook que sa femme n'est pas. Tu devais te taire. Comme tu as caché quand tu as volé le gars de Nelly Linda. Tu as volé Stéphane T de Nelly Linda. Tu as caché quand j'ai parlé de ça. Tu as préféré te taire. Il fallait te taire pour le deuil de Jean Cancan. Tu ne dis pas qu'elle n'est pas morte. Sandrine est morte. C'est réel. Sandrine est au paradis. Sandrine est enterrée. Là, sa dépouille a quitté cette terre. Elle est sous le sol allemand. Tu viens t'asseoir sur Facebook. Au nom de Facebook et de Litchi, tu déclares qu'elle n'est pas morte. Dimanche, tu t'assois, tu quêtes l'argent. Venons-en sur ce litige-là. Venons-en. Venons-en. Je t'ai dit que toi et moi, non, ma chérie. Je t'avais déposé en janvier. J'ai dit que je ne veux plus de toi. Je ne veux plus rien savoir. Tu as dit que je reviens. Peut-être tu pensais que je ne... Tu dis qu'elle est clash, c'est la richesse. Je t'ai jamais clashé pour ta gouverne. Je te donne l'heure juste. Je suis la seule qui te donne la vérité. Je n'ai jamais inventé sur tout ce que je dis sur toi, putain de l'île. Vérité vraie. Je ne reste pas dire que ces pieds sont comme ça. Elle met 25 à 5. Ça. Ou bien Coco Kouetou l'a quitté. Ou bien elle est repartie avec la. Quand je dis que la loxée est partie, elle est partie en vrai. Quand elle dit que ceci est comme ça, c'est fait en vrai. Quand elle dit que le locataire va te chasser, que tu n'as pas payé le loyer, c'est en vrai. Quand elle dit que tu as compiège, c'est en vrai. Quand elle dit que la fille qui t'a branché pour que tu prennes la maison en compagne, tu as quand même les problèmes avec elle. Et tu as gâté la fille même avec sa soeur. Tu voulais même gâter le mari de sa soeur. Tu veux que je donne le nom? Voilà, c'est vrai. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Ok? Attends, voici une qui doit quitter. Elle dit que quoi? Voici une personne qui va quitter. Regardez. Hein? Linda, quoi là? Linda Mbok. Son nom même Ndoko, c'est Mbok. Ma chérie, tu quittes. J'étais bloquée. Je respire la haine. Je respire tout ce que tu dis. Là, mais regarde mon visage. Comparé au visage de votre patron qui a déjà injecté les botox partout. Je respire tout ce que tu dis là, comme tu dis là. Mais ma chérie, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. On n'attaque pas. On n'attaque pas les élus de Dieu. On n'attaque pas la honte de l'Éternel. On ne fout pas la merde dans la vie des bien gens. Madame Lydia, whatever là, mouche métastasée aveugle. Vous voyez, non? J'ai dit aux... Les cancans, merci des gens qui mettent les têtes de moi. Partout, il y a les têtes de moi, ils bloquent seulement. J'ai dit aux... Non, il peut cacher le deuil parce qu'il est un mythe. Mais Ngoï, putain, n'a qu'à qui le vrai pour elle. Parce que son profil, Jean Cancan, son vrai Facebook, c'est pas Jean Cancan. Non, son vrai Facebook, c'est pas son profil, Jean Cancan, mais son vrai Facebook, c'est pas Jean Cancan. Il peut même cacher, il peut être un mythe, on peut comprendre. Vous voyez, non. Mais c'est Ngoï le problème, parce que quand Ngoï vient s'asseoir sur Facebook et déclarer que sa femme n'est pas mon sacré. Les restes de sombres personnes, les sombres, les soubresauts, les sombres idiots et idiotes qui sont avec toi, là. C'est comme ça que tu vas couvrir. Hmm? Ok, regardez-moi les pet pet
être comme ça. Les quand Jean qui vient faire le sermon de Bible, dès qu'elle ne veut pas gâter son litige, si elle parle logiquement, il faut faire. Oui, si elle parle logiquement, il faut faire un litige. Ça veut rien dire. Ça veut... Jean Cancan, c'est le communicateur de la team de Bordelille. Il a communiqué pendant presque 5 ans. Ma chérie, sa femme est décédée. En Allemagne, elle était très, très malade. Cancer du sang. Très, très malade. Très, très malade. Quand je n'étais pas encore quitté de la team, il m'avait dit qu'elle était malade. Il m'avait dit le diagnostic. Je n'invente pas. Je n'invente pas. Non, mais écoute, ma chérie, ce n'est pas cacher le deuil qu'il faut. C'est que elle, tellement elle est centrée sur elle que les gens autour d'elle ne comptent pas. C'est juste pour vous faire comprendre que tout pour elle, rien pour les autres. Tu comprends, non? Tout pour elle, rien pour les autres. Puis les habits, non, ça c'est pas, c'est un polo. C'est un polo en fait. C'est un polo. C'est qu'aujourd'hui en journée, j'avais mes lunettes ici, donc ça. Ça a grandi, ça c'est un polo longue manche. Oui, c'est vrai, je suis maintenant en taille large, L. Là, il faut que je revoie, c'est L. Mais je ne vais pas encore changer de garde-robe. Je vais aller vraiment jusqu'à médium que je veux et après je vais changer, oui. C'est que c'est un polo, mais ça descend de côté. Comme je vois la vidéo, ça part comme ça. C'est ça qui me dérange un peu, c'est pour ça. Vous comprenez, non? Elle a dit que c'est faux. Putain, là de l'île, un direct là. Promenez-vous sur son mur, non? Elle a dit qu'il n'est pas mort, c'est faux. Comme si pour me rendre, pour me faire passer pour une menteuse. J'ai l'air d'une mytho, moi. Tu penses que je vais me lever un matin, je mens sur ton sujet, par rapport à quoi? Il y a quoi à gagner sur toi, chérie? Pourquoi je vais venir mentir? Hein? Il y a quoi à gagner sur toi, putain, Adeline? Rien du tout. Tu es ruine, tu es la ruine, tu es là. Ça veut dire que la salissure, la pourriture de la communauté camerounaise. Ah, vous avez alors l'affichage. Donc, ok. Qui recherche Jean Cancan? Parce que vous dites affiché. Est-ce qu'il est quelqu'un? Mais c'est lui qui écrivait Paris est tombé, Paris est monté. La reine, quand on insultait, lui venait seulement faire un poste pour faire l'apologie, pour essayer de faire qu'on voit qu'il y a les gens derrière qui continuent quand même à chanter sa chanson et à faire l'apologie du personnage. C'est tout ce qu'il faisait. Jean Cancan, c'est le communicateur. Son nom était Jean Cancan. Son connecté sur Facebook qui s'appelait Jean Cancan. Mais c'est un banganté qui vit en Allemagne, qui a perdu sa femme du cancer du sein. On l'a enterré samedi le 10 passé. C'est lui, Jean Cancan. Hoha! Hoha! Vous comprenez, non? Voilà. Vous comprenez, non? Ça m'a beaucoup choqué. Parce que, vous savez, on fait tout ce qu'on fait sur Facebook, là. On s'amuse, on sait sûr que d'autres sont venus vraiment avec l'esprit machiavélique comme Putana de Lille et sa bande. S'il faut bien dire et associer. Parce que moi-même, j'étais là-bas, mais je n'étais pas machiavélique. J'arrête, je n'essayais même pas... Elle devait aller au don, l'attendait avec les beignets. Fleur Adama a même écrit ça. Elle n'est jamais allée. Elle est sur Facebook. Samedi, au lieu même de dire que trêve, même que tu quittes ton mur, tu mets même le noir ou tu dis que non, il y a un deuil d'une personne là. Même si tu ne veux pas dire, on reste tranquille. Tu viens dire que non, il n'est pas mort. Parce que moi, elle n'est pas mort. Donc moi, j'invente. Tu es malade. Putain, là, de l'île, tu es malade. Tu crois que j'ai l'air de quelqu'un qui invente? Tu me passes pour quoi? Tu crois que je suis comme toi? Arrête. Hein. Arrête, je t'ai dit ça. Arrête vite. Non, regardez-moi ça. Dimanche maintenant, comme si ça ne suffit pas, même le lendemain, de dire même que, ok, yeah, bon, maintenant la poussière est un peu tombée, voilà, et tout. Elle se connecte, elle commence à quitter l'argent. Venons au litige. J'ai dit, toi, tu demandes aux femmes mariées de prendre leur argent de ration, tellement tu laisses Anna Grenga affamée. C'est ce qu'on m'a dit, hein, et de te remettre dans ton litige. Mais allô, quoi? Je demande, hein, ton marabout, ton nouveau marabout, parce que tu as déjà tué l'autre avec ta scène de Manu. Ton nouveau marabout, là, quand il te donne l'huile que tu te oins avec, ou je ne sais pas comment, il faut bien faire quelque chose, tu fais avec ton calamongo, et cardinal, là. Quand il te dit de t'asseoir, c'est ce que tu sors de ta bouche qui fait que les gens sortent de l'argent. Parce que moi, depuis que j'étais dans ta team, je n'ai jamais cotisé dans un litige. Ma seule moyen de t'élever, c'est d'avoir mon image de marque. La reine mère bio, femme pure, charismatique, imposante, baignée en arrivant, baignée en partant, qui se collait à ta sombre idiotie de personne. C'est ça qui était ce que je pouvais. Je n'étais pas... Les choses comme ça ne peuvent pas se cacher. Oh, j'ai les gens qui étaient même au deuil. Non, mais gens, non. Comment? Okay, oh. Elles ont parlé la qualité, là. Oh, vous aussi. Oh, j'ai les gens que j'ai envoyés au deuil. Ils ont même salué Jean Cancan. Il est là, il croit que... Je suis bon, brou. Je suis bon, gnoc. Maman, les marabouts sont alors ici. Des manous. De ma poum poum. Voici des marabouts ici.
comme ta sœur et toi, vous tuez les marabouts. Vous ne connaissez pas le mur. Elle s'appelle Demanou, l'artiste. Artiste. Allez-y là-bas, les marabouts. Elle est, c'est une fille qui tue les marabouts. Si vous voyez votre mort venir, allez là-bas, elle va vous tuer. Ce n'est pas Coco que tout est prêt. Ouais, je vous dis. Oh, hey, toi qui écris quand je parle, tu vois que je viens gaspiller ma salive ici pour rien. C'est jamais Coco. Coco n'est plus dans les pec-pecs là. Coco s'occupe de ses enfants. Il paraît qu'il y a même une deuxième grossesse, si je ne me trompe pas. Elle était sur le mariage de Coco. Comme quoi, oh, Coco l'a invité. Oh, comme ça, elle est montée. Elle parlait que de ça. Elle parlait que de ça. Oh, comme ça, elle est montée. Oh, on va pas faire le direct aujourd'hui parce qu'on va rester sur le mariage. Tu aimes trop Coco. Coco t'avait viré de son institut. Imagine une femme d'affaires. Quand on dit que l'argent, le client est roi, tu l'as appelé que tu viens t'a viré de bord. Elle a dit, je ne veux pas te voir. Et le jus de ça. Elle a dit, je ne veux pas te voir. Vous comprenez, non? J'ai dit, elle a dit, je ne veux pas te voir. Ne mets pas les pieds à moi. Même si tu devais venir faire la recette, comme tu es même d'abord mendiante, tu es venu, c'est moi, Fleur de Lille, tu m'as fait ça. Toi, elle a commencé à te faire les traitements. Elle t'a viré de bord. Elle ne voulait pas de toi dans son institut. Si Coco Emile t'avait accepté dans son institut, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, l'enfant, c'est sur Facebook en train de parler de quelque chose. Ben, tu allais entrer là-bas et créer ce que tu crées, que tu connais créer. Dema Poum Poum est allée téléphoner dans le direct de Ngoï. Il faut que je te dise, c'est toi qui demandes. Les tueuses de marabouts là. Dema Poum Poum est allée téléphoner dans le direct de Ngoï pour dire que pourquoi moi j'adule trop sa soeur. Que Ngoï et sa soeur entre eux, les Tchari vont se mettre contre nous, les Bamanté. C'est là-bas. C'est là-bas, elle a dit Sahora. Elle a dit en patois, en français, tout ça mélangé. Oui. Au lieu de s'inspirer pour les nouvelles chansons, chante, écris même mon nom, insulte moi-même en chantant. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Mais laisse-moi, je dois parler à Ngoï. J'ai dit que la fille, oh, je donne les mains à Coco, Coco Emilia. Maman, Coco Emilia, elle a zappé les bêtises. Elle a dit que je ne veux pas te voir dans mon institut. Donc même ton d'abord, tu avais l'argent. Tu veux partir, Njo. Elle t'a dit out. Donne combien? Elle a refusé la cliente. Parce que toi, fouteuse de merde comme tu es là, tu allais arriver là-bas, sortir de l'aide, va voir les choses. Les choses allaient arriver. Ce qui est sûr, c'est ça. Les choses allaient arriver. Bon, Dema Poum Poum a orienté tous les marabouts ici. Je ne tue pas les marabouts et je ne les sollicite pas, s'il vous plaît. Je suis une fille de Dieu. Moi, là, je meurs sur quelque chose, je dors. Surtout quand c'est la vérité et l'heure juste. Vous voyez, non? J'ai dit, c'est surtout quand c'est la vérité et l'heure juste. Donc, vraiment, sans vous mentir, je ne suis pas les marabouts. Personne ne va s'en sortir vivant de cette vie. Donc, même si Dema Poum Poum et sa soeur, comme elles ont dit qu'elles vont faire aux Bamanté que nous sommes, elles vont aller voir leurs marabouts d'antan ou réveiller des autres et faire les autres et me font quitter sur la terre, je vais seulement dormir. Parce que leur tour va aussi arriver. Mais tchik, nul ne s'en sortira vivant de cette vie. Sandrine est partie. On a enterré Sandrine samedi, elle a avancé, nous on arrive. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais la vérité est l'heure juste pour ça là. Vous ne devez pas reculer devant. Vous devez reculer devant rien. Vous comprenez, non? Hello, quand aime le mot balata, ici on est en mode balata. Achet Kamabe a chassé son ara. Elle cherche déjà aussi un diamantaire. Elles vont trouver les diamantaires où? Batsomba Mbetla. Batsomba Mbetla. Basaleté. Qui va les prendre? Qui va diamanter? Hein? Le diamantaire a une fille qui l'attendait quand il était en train de creuser le diamant. Une fille qui a souffré avec lui avant qu'il trouve le réseau du diamant. Donc il va prendre le diamant, il va venir chercher putain. Hein? N'importe quoi. Après, bon, voilà, qu'elle finisse de faire ça, dit tout que c'est la comédie. Dema Poum Poum a carrément dit que nous, on s'amuse quand on insulte le long, on s'amuse quand on insulte les gens. Mais Nathalie va pas. Moi-même, je m'amuse. Je m'amuse, mais pour le deuil, c'est vrai. Vous voyez? C'est quand ça fait votre affaire. Je te dis, quand ça fait votre affaire. Franchement, tu viens t'asseoir sur Facebook, tu dis aux femmes mariées de prendre l'argent de la ration. C'est vrai, tu n'aimes pas tes petits, ta petite fille. Tu n'aimes pas Choupi Banga. Tu n'aimes pas, comment on appelle? Tu n'aimes pas Anangrenga. Tu ne t'aimes pas toi-même. La charcuterie de ça. Les injections de botox. Là, tu as injecté le botox sur ta bouche. Le liquide est répandu. Maintenant, il y a les cancan choses. Quand tu te mets debout, on voit les cancan choses qui commencent à s'étendre comme ça. Maman, puis locotte. Puis là, quand le lomo les va pomper, c'est un tour de quatre tôt le tout. Bouche une voix chouba liquide, c'est un chumzi. Puis là, quand ça, c'est ce que j'ai dit. Tu t'es levé, tu demandes aux femmes, aux fans, aux femmes de prendre l'argent de la ration que leur mari leur donne et de diminuer et te donner. Tu es tellement stupide. Tu es tellement conne. Tu es une imbécile malheureuse. Dema Poum Poum, tu as dit que tu devais cotiser. Vends ton bar.
tu mets dans la cotisation. La milliardaire qui envoie sa fille insulter les gens chaque temps, sa fille, que demain ça va ramener. Parce que comme on vous voit là, la façon que vous ramenez là, demain ça va ramener même la milliardaire et sa fille. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc toi, la milliardaire là, qui envoie, tu dis qu'on devait cotiser là, j'étais sommé 10 000 euros. Je croyais que ce 10, c'est parce qu'en France, on paye jusqu'au 10. C'est jusqu'au 10 que tout est fini. Les payes, les salaires, jusqu'au 10. C'est que si on reprend maintenant le prochain mois. Donc là où ils sont là maintenant, chacun fonctionne à son argent jusqu'à attendre le prochain, jusqu'au 10. Le terminator, c'est le 10. Comme tu as fait le direct, le 10, et que tu as eu seulement les miettes que tu as eues, il n'y a pas eu le 10 000 euros de la patronne là, et que tes mouches n'ont pas manqué de payer leur loyer pour te donner l'argent. Ma chérie, tu as encore du chemin. Tu as encore du chemin, ma chérie. Donc une femme ne va pas prendre l'argent de la ration, préparer la nourriture des enfants, elle va venir mettre dans ton litier. Tu fumes quoi? Parce que quoi? Comme tu es debout, tu te trouves qu'on voulait te doigter. Comme tu es là, tu es un couetou olympique. Tu es un couetou olympique. N'importe qui te voit doit seulement vouloir te doigter, te comme si. Tu es un couetou olympique, putain de l'île. Donc, les femmes là vont prendre l'argent des rations. Au lieu de préparer la nourriture à l'enfant, elles vont venir mettre dans ton litier. Elles ne vont pas payer leur loyer comme toi. Elles vont venir mettre dans ton litier. La milliardaire là, qui envoie sa fille insulter les gens. Jusqu'à sa fille a fait direct sur moi, jusqu'à dire que j'aimais chalopette. Demain, il faut que je mette ma chalopette. J'ai mis au lavage, après, on a repassé, plié, je ne sais même pas où c'est. Demain, là, c'est ma chalopette, j'aimais. Hein? Que sa fille a dit qu'elle m'appelle ou c'est ma chalopette ou ma quoi. Maman, est-ce que j'ai alors les habits? Je n'ai pas les habits. Peut-être que la chalopette du lundi au vendredi, je suis. Donc, l'habit va être pour moi, je ne vais pas porter plusieurs fois parce qu'il faut que je me présente sur Facebook avec un nouveau habit chaque jour. Vous me payez quoi, c'est ça? Par rapport à quoi? Est-ce que je suis ici pour vendre le rêve comme ta patronne? Je suis pas ici pour vendre le rêve comme votre patronne. Tu comprends, ma chérie, là? Toi, là, qui parles, là, quand tu regardes, j'ai pitié de toi. Tu as les traits sur ton visage de marque, de parole. Et puis, ta petite figure comme ça, fougue que tout. C'est comme la souris misaraine. Tu vois la souris misaraine des cabinets, des WC, là, des douches, là. La souris qui est dans la douche qu'on chasse, là. Je suis, bon Dieu. Moi, misaraine, là. Tu parles à qui? Franchement, je vous ai dit, cotiser 10 000 euros, même Goy va être fier de moi si on lui met les 10 000. Il va dire que, hey, comme la fille l'a insulte en demandant 10 000, il faut vraiment que 10 000 en. Mais je vous ai dit de faire attention. Je vous ai dit de faire attention. Ne faites pas les Tinjangi. Ne faites pas qu'un Goy, je vais mettre 10 000. Dans le fond, tu prends 2 000, tu me donnes 6 000. Parce que je vais d'abord vous donner un secret. Hein. Tous les gens qui ont mis les Tinjangi, sachez que au fur et à mesure que le litchi avance, on retire l'argent. Qu'un Goy ne vous prenne pas à Conjure, hein, parce que c'est une fille de. Hein, qu'elle ne vous met pas dans. Qu'elle ne vous met pas dans mon chon. Voilà. Qu'elle ne vous mette pas dans mon chon. Hello, quand a pris les mots. Hein. Oui, riche dans sa tête là. Une musaraine, cette fille-là qui parle avec son trait de machin. Et si tu la vois, sa figure comme ça. Mets un peu même de lumière quand tu veux parler avec la reine mère bio. Parce que moi, je suis bio, hein, maman. Bio jusqu'à mes doigts, mes mains, mes pieds, mes jambes. Tu n'as pas vu ma photo hier? Je suis moi, tomato, partout. Prochaine fois, je vais mettre même mini, je te montre mes cuisses. Quand tu veux me parler, non, musaraine. Ou non, je veux bien. Même la lumière, tu n'as pas pour me parler. Ta milliardaire ne peut pas t'envoyer un light, un red light pour que tu puisses parler. Je suis un brumeau musaraine, mon jour. Arrête, je te connais où? Je te connais où? Ma salopette, je vais acheter ma salopette, ça me suffit. Je ne vais pas porter ça 10 fois que j'ai peur de toi. Est-ce que je suis dans vos pets? Vous m'avez vu venir vendre le rêve ici sur Facebook. Bande de rienton. Voilà. J'ai dit, oh, putain là. Vous qui avez mis l'argent dans le litier, je vous dis ça. Ça, c'est. Notez, hein. Sachez qu'au fur et à mesure que l'argent entre dans le litier, on peut retirer au fur et à mesure. C'est moi celle qui avait fait un litier, 1400, c'est reparti au donateur. Je ne vous manque pas, c'était la vérité. Mais, comme putain a connu son nez, elle est seulement sur ça, comme ça, comme le viseur. Quand vous mettez, sachez que, à chaque temps, l'argent, donc tu peux retirer. Qu'elle ne vous manque pas que quand vous voyez le chiffre, vous croyez que l'argent encore en. En chemin, comme on dit souvent dans la cagnotte de Liti. Non, elle peut toucher chaque temps, elle peut toucher. Donc, n'oubliez pas. Donc, si vous dites Liti Njangi, quelques jours après, appelez-la vite pour récupérer. Parce que sinon, le problème de ça va venir nous trouver ici sur Facebook. Je ne sais pas si ce moment-là, on va faire les t-shirts, qu'on va dire « Bring back my... » Cette fois-là, parce qu'on a dit « Bring back my bobolo ». Le temps, on va dire « Bring back my... » Maïlichi, non, on ne va pas dire Maïlichi, il faut qu'on trouve un mot.
Bring back my litchi. Je suis cotiseur. Je suis cotiseur. Bring back my money. Je suis cotiseur. Je suis membre de litchi Njangi. Bring back my money. Je suis litchi Njangi. J'ai dit, oh, bring back my money. Je suis litchi Njangi. Comme tu vois là, c'est encore là-bas, non? Tu vois que le chef est tout en ligne, non? On peut encore toucher, hein, ma? Donc ne t'en fais pas. Dès que ça, tu... We bring back my door. We bring back my door. Je suis Liti Njangi. Bientôt, les t-shirts de ça vont sortir pour sauver les gens qui ont perdu l'argent dans le Liti. Qui va lancer l'affaire de Liti Njangi? Moumou! Parce que Moumou a dit qu'elle a fait connaître sur les réseaux sociaux. Elle va jamais se séparer. Vous faites tout ce que vous faites. C'est ma soeur, c'est ma soeur, c'est ma soeur, c'est ma soeur. C'est Moumou qui va lancer le direct de Bring Back My Litchi Njangi. Je suis, hein? Je suis cotiseur. Merde! Si tu n'es pas encore mort, tes problèmes ne sont pas encore, tes choses ne sont pas encore finies, tu es encore là. Ouais, ma, l'argent là, tu aimes quand j'ai limité. Ma, est-ce que tu sais que le litchi est tout là-bas? Tu vois tout le chiffre, non? Parce que le chiffre perd là, mais on a vidé. Ça arrivait au deuxième litchi. Quand j'ai fait le deuxième litchi, qu'on disait que. Quand on avait dit bon et loyal service là, oui, parce que j'avais eu quand même les dos, hein. Moi, j'étais, hein. Quand même, voilà, j'ai les fans. Oh, le meilleur. C'est ça, tout le temps, je suis à Western Union pour toucher de quoi que mes fans m'envoient, hein. Oui, 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 même comme je suis, hein, voilà, j'ai pas les vues, mais ils sont là. On touchait et le chiffre était tout là-bas comme si c'est plein. Donc, appelez-la vite. Vous qui étiez hier dimanche. Appelez-la vite. Vous dites, ah, que bon, pas toucher, tu me le donnes comme le chiffre est derrière là-bas. Parce que même si elle te donne, le chiffre ne change pas. Le chiffre, l'histoire retiendra que le chiffre a mis ce montant-là, en fait. Donc, vous, ça, vous comprenez maintenant, non? Ça veut dire que si j'ai 2000 euros, je veux booster le litchi de Ngoï, je peux aller mettre 2000 et demain, elle me donne. Mais comme elle est une escrotte, comme elle est une bandite, escrotte, arrefort. Et sachez qu'on touche ça au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre la fin du litchi pour toucher. Maman, les marabouts de ma pompe pour m'arriver ici. Maman, allez voir Demanou. Demanou, tu suis les marabouts, hein. Allez la voir, pardon. Je ne suis pas dedans. Demanou et sa soeur. Donc, c'est ça. Deneba, hein? Pour Deneba a cotisé 400, on m'a dit, hein, 425 euros, on m'a envoyé la capture de ça sur WhatsApp. C'est bien, Deneba. Ce mois-ci, encore, il faut cotiser. Parce qu'elle demande 150 000 euros au total. Il faut cotiser. Non, je maîtrise. Je connais mon malade. Donc, appelez-la dès aujourd'hui, les gens de Liti Njangi, mais bête déjà, parce qu'elle peut toucher. Elle dit, maman, comme tu vois le chiffre, là, c'est toujours là. Non, dès que ça finit, le cagnotte est encore en ligne. Et comme on met la date, on dit peut-être jusqu'à fin juin. Vous allez voir que quand fin juin va arriver, elle va dire, j'ai encore poussé, hein, maman. Non, never. N'attendez pas la fin de la cagnotte. Quand vous avez boosté pour que le chiffre nous chicote, nous, on attend le chiffre de la milliardaire, parce que la milliardaire a fait tellement de bruit. Elle soit s'assoit, elle aboie, y'a mouni. Donc, ce qui fait que. Mais le problème de ça, ne venez pas nous trouver ici. Sinon, c'est Moumou qui va faire le litchi. Bring back my money. Oui, parce qu'elle m'a fait connaître sur les réseaux sociaux. C'est ma soeur. Même si vous faites comment, elle ne peut pas me séparer avec elle. Ici, dans les réseaux sociaux, quand j'étais ici, j'ai dansé ma chose. Elle m'a connaissé pas. Elle m'a fait connaître. Même elle qui a fait connaître tout le monde. Nous tous ici, c'est elle qui nous a fait connaître. C'est elle qui a même créé nos comptes Facebook. Oui, nous tous, la personne la connaissait avant. Elle m'a fait connaître dans les réseaux sociaux. C'est ma soeur. C'est ma grande soeur. Je n'ai jamais me séparé avec elle. On peut dire ça. Voilà Moumou qui est en train d'être lynché. Non, elle ne veut pas 7 000. 7 000, c'est sur celui-là. C'est qu'il y a plusieurs. Il y a pour 150 000. Vous êtes sérieux? 7 000, c'est qu'elle va par tranche maintenant. Parce que quand on a crié, ah, 150 000, vous n'avez pas vu ça. Hein? Milia Mâchoiron de Manchester. C'est encore qui ça? Hé, hey, Facebook, vous avez les injures. Moi, hein, les dit que les marabouts de Demanou sont ici pleins. Reine Gazoua. Maman, les mouches l'appellent la... Mais ils sont vraiment méchantes, les mouches, là. Les mouches, elles sont vraiment méchantes, les mouches, là.
Elle s'appelle Moumou la galeuse. La galeuse. Ils sont qu'elle insulte, je les capture. Ils font les postes fermés entre eux. Où ils insultent Moumou copieusement. Alors qu'elle insulte jusqu'à dire qu'elle n'a pas dormi. Ou son nom, c'est quoi là? Les cancans profils qu'on m'a envoyé. Adama, on peut faire ça? Adama, est-ce qu'on peut faire ça? Moumou dit qu'on l'a fait connaître, que même si vous faites comment, elle ne peut pas se séparer. Moumou, on ne veut pas que tu te sépares de ta soeur. On veut seulement que tu sois allumée, ma chérie. Comment tu vas te séparer de ta soeur? Elle m'a fait connaître dans les réseaux sociaux. Elle m'a fait connaître. Elle m'a fait connaître dans les réseaux sociaux. Elle m'a fait connaître. Vous comprenez, non? Donc, vraiment, demandez déjà votre agent de Litin Jangui Angoui. Demandez dès maintenant votre agent de Litin. Oui, il appelle la galeuse. Hein? Les mouches. Là, là. Les captures, c'est hier, hier, là. On l'insulte copieusement dans la team en ce moment. Mal, mauvais. Parce qu'elle a dit qu'elle aime Lolo. Elle a toujours aimé Lolo. Elle n'a jamais cessé d'aimer Lolo. C'est sa soeur du village. Basamba village. Mais les mouches, le tout, c'est comme ils ont le macabo de Lolo. C'est-à-dire que pour les mouches, là, là, quand ils voient la télé de Lolo, là, qui sort pour rien, les gens sont dedans, ça peut les tuer. C'est les vues, hein. Le gars, c'est pas deux choses, c'est les vues. Les vues. Moi, ils n'ont pas trop mon macabo, comme j'ai pas les vues. Mais je les traite. Avec deux vues, là. Moi, ne au numbu. Aïe. Olga dit que. Ndema pompoumé comme le caca dit de la constipation. Ndema, tu peux me clasher autant que tu veux. Tu sais que tu m'as clashé beaucoup de fois. Mais j'ai compris que t'es, you know, c'est comme ça, machin. Tu m'as clashé beaucoup. Tu m'appelais la chef. Tu me clashais tout le temps. Tout le temps, Ndema. Donc, hein, tu peux juste recommencer. Moi, je suis déjà habituée. Les clashs ne me disent rien. Tu es venu écrire sur ma page que quoi, que ma soeur, que quoi, quoi, que je n'avais pas les... J'ai supprimé ton... J'étais bannie même de ma page. J'avais oublié de te bannir. Ça prenait que tu mets un commentaire pour que je te bannie. J'étais bannie même sur ma page, Debano. Hier, tu as écrit. Je veux même partir dans le jeu de capturer et dire que là, voici qui écrit. Non. Debano, je ne veux plus de toi. Tu as dit que toi et ta soeur, tiens, vous allez nous exterminer, nous les barantés. Que nous ne sommes rien. J'ai dit que c'est une affaire de village. C'est une affaire de village, Ndema Pompom. C'est une affaire de village. Allô, quoi? Tu reviens du pays, ok. Peut-être tu as eu un peu d'inspiration, tu veux chanter, mais chante. Et puis viens peut-être nous clasher pour faire la publicité de ta chanson. Hein? Voilà les gens qui viennent dire pour vous dire qu'on va vous tuer. Ndema nous est sur Facebook comme ça. Quand elle prend le marabout, elle est tuée. Biloko. Oui. Et je dis que les vrais gens qui doivent cotiser le litige n'ont plus d'argent. Les vraies mouches sont parties. Comme ça. Il y a un autre qui est venu dans mon direct aujourd'hui. Ebenezer Kamto. Je te salue là-bas. Le gars. Le Joe. Je te salue, Joe. Voilà. Ebenezer Kamto est venu. Il m'a même dit Nathalie. Il m'a pu appeler les noms qu'il savait me donner là. Mais Tchadounjou. Lui, il a mis ses pieds à la tête. On ne peut pas. On ne peut pas laver le porc jusqu'il devient propre. Vous comprenez, non? J'ai dit qu'on ne peut pas. Si jamais elle tombe sur la galage, on va le faire ça dur. Ndema Pompombe, une ancienne gata woman. Oui, on m'a dit ça que Tata Lolo l'a bien déposé, a donné un peu son. Tata Lolo, ils se connaissent entre eux là-bas. Donc, moi, écoute, l'extrait des casiers judiciaires, les dossiers des gens, mais gérez vos dossiers là-bas. Ne me mets pas dedans. Ne me dis pas que je dois laisser ta soeur comme tu veux. Tu ne décides pas à ma place. Il n'y a personne qui décide à ma place. Merde. Joanda, elle dit qu'elles vont faire le duo de Chang, tu es ma soeur, Chang, Ozanda, que Pompombe, j'ai dit que Demano, ne tente même pas. Tu vois comment je suis persévérante et endurante là, non? Tu ne peux pas tenir, chérie, il faut laisser. Il y a les gens dans la vie qu'on n'attaque pas. Surtout les gens qui fonctionnent avec la force de la raison. On ne les attaque pas. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc, le litchi là. Je vous ai déjà dit ce que vous devez faire. Vous qui avez mis hier pour faire que la levure, pour que la levure monte, ça fait des chiffres. Ne faites pas, vous nous amenez ça ici. C'est que c'est Moumou qui va vous faire votre t-shirt. Bring back my money. Bring back my income. Je suis Litin Jangui. Le nom, ça sera Je suis Litin Jangui. Parce qu'on vous connaît. On vous connaît. Genre de la congrégation des gays et lesbiennes là. On vous connaît. Vous couvrez vos choses. Vous mettez les choses des gens à nu. Ça, c'est votre travail. Ça, c'est votre travail. Tu vous comprenez, non? Donc, c'est ça. On ne court pas. Moi, je suis le genre que j'ai révolutionné le clash. C'est au calme. On te donne... Ça veut dire que ça pique. On n'est pas pressé. On te donne l'heure. Quand tu te couches dans ton lit, tu rassasses ça. Tu revois. Ça, tout. Tu dis merde.
Galam a quand même lessivé. Hein? Et tu revois que tout ce qu'on a dit, c'est presque ce qui est. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui est. Rien n'est inventé, putain, là, de l'île. Tu l'auras voulu, ma chérie. Tu l'auras voulu. Vous comprenez, non? Maman galeuse. Pourquoi je cherche maintenant galeuse? Pourquoi je cherche maintenant galeuse? Jusqu'à ce que c'est une putain à qui fait le direct. Demanou appelle et elle demande à Demanou de dire aux gens de ne pas aller chez les marabouts. Ok, les deux ont tué le marabout. Depuis quand les criminels assassins de marabouts doivent ordonner aux gens de ne pas aller chez les marabouts? Ok, nous, on sait qu'elle tue les marabouts. C'est quel mouton qui est venu ici? Ils font comme ils veulent, c'est leur quoi. C'est qui a dit ça même? Il y a un mouton ici. Je ne sais pas s'il y a les moutons ici. En tout cas, même si on te donne 100 milliards, elle ne sera jamais. Elle n'est pas, elle, on ne peut pas laver le porc, il devient propre. On ne peut pas. Surtout un porc qui aime grandir dans la zone marécageuse. Elle s'est levée avec sa soeur. Demain, nous dit que, oh, elles vont nous faire ceci. Maman, demain, nous pardon, ne me compte pas dedans. Parce que quand je plie souvent tous mes doigts, quand mes doigts sont affinés, m'asseoir sur toi, elle ne me lève plus. Hein. Je ne me lève plus. Tu comprends, non? Je ne me lève plus. C'est qui qu'on insulte? Hey, n'insultez pas mon profil là. Attends, c'est qui que vous insultez là? Il y a quelqu'un qu'on insulte que je connais bien ici. Pardon, ne l'insultez pas. Aïcha Plantin. N'insultez pas Aïcha Plantin, pardon. Ne l'insultez pas, pardon. Elle a fait quoi? Aïcha a fait quoi? Vous l'avez lu quelque part? C'est ma Vanessa Invuna. Que quand elle parle là-bas, elle écrit les phrases qui vont rendre Moumou les pousser les cheveux sur la tête. Ça me dit, je ne sais pas comme ça vraiment. Ça les fait comme s'ils poussent les cheveux là. Marsoya se fait fouetter par tout le monde à mon dos. Qui là? Elle a encore qui? Elle a chuté jusqu'à. Tu es une femme forte. Terriblement. Terriblement. Ne tentez même pas. Je ne cherche pas les problèmes. Hein. Mais quand on me cherche, on me trouve. J'ai le temps. M'assois sur toi, on ne te dit pas. Bon, maintenant, les marabouts là, allez-y, trouvez de ma pom pom. Ça, c'était pour le litchi. Donc, pour le litchi, vous avez compris que récupérez. Vous qui nous avez chicoté hier avec le litchi pour monter le chiffre à 4000, comme si vous voulez nous gifler. Récupérez votre argent. Ce n'est pas à la fin du litchi que l'argent est disponible. L'argent est disponible, séance ténale. Donc, elle peut ordonner que le litchi vit dans le compte qui est rattaché avec le numéro d'acheminement et l'argent arrive directement. Donc, récupérez. N'attendez pas qu'on dise que c'est à la fin. Que parce qu'elle va te dire, maman, c'est quand ça va finir. Tu as vu, on a mis, non? C'est même pas moi qui a fait. Hein? C'est Ashley Camembert qui a fait. Donc, comment elle a mis là, quand ça va finir, va problème à donner. Et toi, Ashley, quand tu retires, prends les reçus, tu tiens, parce que votre problème arrive bientôt. Comme ça fait, on dit que je vois que tu m'as comme ta soeur était proche de Lolo, ça a ham. Comme toi-même, tu connais comment tu as ham avec ta soeur de sang. C'est comme ça que ma vengoye, ça va ham. Nous, on va vivre ça ici sur Facebook. Vous avez compris, non? Oui, oui, 5 000. Il n'y a pas de problème, elle voulait 7 000. Sur celui-ci, elle voulait 7 000. Elle a mis un montant raisonnable. C'est déjà pas mal. Vous voyez, non? Mais il faut que ceux qui ont fait, parce que c'est Litchi Njangi, je vous dis déjà, d'office, ceux qui ont mis le Njangi, réclamez déjà votre argent dès maintenant. Ne venez pas pleurer. Nous, on sera, nous, on va seulement, quand ça va venir, non, je vais seulement rire. Je vais rire jusqu'à. Vous comprenez, non? Je vais rire. C'est comme ça. Ça sera bon à moi. Ce qui est sûr, c'est ça. Ça, c'est pour le litchi. Maintenant, on vient à la reine galloise. On vient à la reine galloise. Parce que les gens ne font que m'appeler. Oui, ma, il faut laisser. Tu sais, elle est comme ça. Elle a les enfants, c'est beaucoup. C'est ce que moi, j'avais dit. Moi, j'avais dit que sa croix, c'est ses enfants. J'avais dit ça. Mais les gens me répètent encore ça et tout. J'ai dit, bon, les gens parlent. Ouais, vraiment, maman, elle fait pitié, elle fait comme ça. Ouais, tu sais que maintenant, comme elle a les enfants, tu sais quand elle parle souvent que, oh, j'avais comme ça, j'avais... C'est comme c'est lourd la nuit. Moi, je connais ce qu'elle traverse. Je connais ce qu'elle struggle parce que je travaille avec ce genre de clientèle. C'est des enfants à défis particuliers. C'est pas évident. Un parent qui a ce genre d'enfant, c'est un parent qui ne devait pas être sur Facebook en train d'acheter le problème d'une putana et insulter une grande sœur que je suis de toutes sortes de choses, de voleuses, de tout. Donc, c'est pour ça que quand vous venez dire souvent de laisser, c'est-à-dire essayez de voir les tenants et les aboutissants. Allez un peu dans les dessous. Si vous n'avez pas tous les éléments, passez comme un taxi plein. Ne faites pas comme des manous qui s'assoient et qui dit qu'on doit laisser respirer sa sœur. Or que sa sœur, elle-même que j'ai laissée en janvier, m'a rappelé. Elle est venue, elle s'est connectée, elle a dit, tu pars où? Le clash, c'est la résistance. J'ai dit, chérie, je ne te clashais pas, je te donnais l'heure juste. Et je peux rester pour l'heure juste tout le restant de ma vie. Oui, je pars, je fais une grande conférence, je sors de la conférence, je te donne l'heure juste. Oh, c'est ça la différence. Reine Gasoil, c'est ma favori fanfaron. J'ai dit que Moumou, quand j'ai dit Moumou, vous avez dit que, oh, machin.
c'est que on dit souvent que ce n'est pas une injure, hein. Il faut que ça soit clair. Même elle-même qui prend sa main, mais c'est pas une injure, hein, sérieux. C'est juste pour dire que je te situe. Ça dit que il y a un trou d'air. Le vent passe d'un côté là qui devait bien réfléchir. Donc ça fait que tu vois un peu, non? Uh-huh. J'ai combien de vues? J'ai 10. Si je te bloque, je sais pas où avait les vues. Les vues, depuis que putain a toutes les vues, c'est elle qui a tous les litchis. Elle tient à 150 000 euros. Elle a tous les vues, non? Elle tient à 150 000, elle tient à 7 000, elle tient à 15 000. Tout ça pour elle, c'est elle a tous les vues. Franchement, tu as combien de vues? Je ne sais pas où avait les vues. Regardez-moi quelqu'un. Vous dites que non, Moumou, il faut vraiment. Oh là là, ceci, cela. Et elle aussi, c'est elle qui m'a fait connaître. Je l'aime beaucoup. J'aime Lolo. Toi-même, tu n'aimes même pas trop ta Lolo, là, que tu dis, là, Moumou. Alors, chaque fois, tu utilises Lolo comme. Je vous dis. On va dire que elle aime Lolo. Elle aime aussi sa façon qui l'a fait connaître. Une initiatrice en lesbianisme. On va essayer de leur donner deux poids, deux personnes. Si on prend les deux choses, si ce qui est plus grand, c'est sa patronne. Parce que sa patronne a bu son cerveau. Ou bondi, comme le bois. Loubi. Voilà. Et Lolo est ça. Ma chérie, tu n'es pas obligée de savoir que le torchon brûle en ce moment. Ils sont sur Lolo, les mouches sont tous. Et prendre toujours Lolo brandi. Tu réveilles. On ne réveille pas les choses quand les gens dorment. Les mouches. Quand on prononce Lolo, ils peuvent mourir. Parce que la télé de leur patron n'est pas là. Uniquement pour Lolo. Pour le moment. Vous voyez, non? Voilà, je suis mère, mais je reste et demeure la croix, le fardeau pour mes parents. Et c'est pareil pour tous les enfants. Mais oui, moi, mes filles sont ma croix. Et les enfants de Reine Gala sont c'est sa croix. Sauf que sa croix, ma croix est, je ne dis pas bêta, mais elle est un peu léger. Ça dit que. Elle est apaisée. Et puis, je ne suis pas seule dessus. Elle est seule. Même le papa porte les enfants pour au Cameroun. Mais il fuit. Il est encore sur son go. Donc, sa part est beaucoup. Donc, juste ça fait que tu as la compassion. Mais tu les utilises comme à part. Elle les utilise comme des marionnettes. C'est eux qu'elle met devant pour aller chercher quelque chose. Et comme il y a des gens encore sur Facebook qu'on apache facilement, c'est eux qui embarquent dans ce genre de game. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Vous pouvez vraiment embarquer. Vous voyez, non? Mais quand tu vois, toi-même, tu n'es pas simple. Toi, la fille de Galoise Bassambala. Ouf, choc. Tu ne peux pas voir que les mouches sont en mode Lolo tellement. Et tu viens t'asseoir pour faire l'apologie de Lolo qui va énerver les mouches. Et puis, j'ai les postes que les mouches sont en train d'insulter. Parce que tu as osé dire que tu aimes Lolo. Comme ça, dit l'ennemi de mon ami et mon ennemi est monté et descendu. Comment tu peux faire ça? On ne fait pas ça. Moumou, Galoise. Ouf, fine, bu, n'kolo. You patron, c'est qui t'a fait connaître, initiatrice en lesbianisme. Nko Lolo, ma soeur Bassamba, ma soeur du village, j'aime beaucoup Lolo, Nko les deux. Ndenbe, en ce moment, ba mouche, bounoum Lolo, à cause de la télé. Parce que moi, je fais battre Mandongba. Mandong télé, là, Bougoumbi nous aussi. Je sais que Moumou a peur, c'est pour ça que Moumou m'a clashé par peur. Je comprends. Elle m'a mélangé, elle a inventé tellement d'histoires sur moi parce qu'elle avait peur que les mouches tombent sur elle. Les mouches tombent, ils vont faire comme voici, Moumou. Je suis devant toi, preuve vivante. Les mouches ont fait ça, changer quoi. Hein, Moumou? Ça n'a rien changé. Je n'ai même pas une ride sur mon visage à l'aube de la cinquantaine, Moumou. Est-ce que tu comprends ça, ma chérie? Est-ce que tu comprends ça, petite soeur? Vous êtes où là, vous dites que vous êtes les petites soeurs. Quand on voit vos faces se tomber, ça descend un genre. Acceptons. Est-ce que tu comprends ça, petite soeur? Ta sagesse, elle n'a pas la sagesse des montagnes. Moumou n'a pas la sagesse. Moumou joue avec le feu. Tu sais, parce qu'il faut être timé. Il faut connaître le moment qu'il faut hisser son truc ou le moment où il faut calmer. Surtout quand tu es dans une team de haineux. Les njomniam, les fumi manyan, les gens que quand ils sautent seulement, c'est comme s'ils vont seulement avaler. Tu sais ça. Mais tu prends quand même. J'aime Lélé. J'aime beaucoup Lélé. Lélé, c'est ma sœur. Et j'aime aussi. Elle m'a fait connaître dans les réseaux sociaux. Le timing. C'est une question de timing, Moumou. Hein? C'est une question de timing. Tu comprends? Je sais que tu joues sur deux tableaux. Je sais que les mouches veulent que tu choisisses. Toi, tu ne peux pas choisir parce que c'est ta soeur Bassamba. Et c'est légitime. Hein? Il y a les gens qui aiment tout le monde. Tu vois, non? Il y a les gens qui aiment être tout le monde. Ou bien, tu as vraiment un penchant pour ta soeur Lolo. C'est correct. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Aime bien ta soeur du village Bassamba. Tu comprends? Mais le timing, des fois, n'est pas important. À partir du moment où tu sais que tes mouches là, elle fait la politique. Elle n'aime pas me border de lit, mais elle veut rester reconnaissante à elle. Alors, elle reste là
que ma patronne, sachant que c'est elle qui l'a donné la visibilité, déjà faire connaître son bon. Mais elle a payé 500 pounds pour la visibilité. La visibilité est dormie, c'est pour faire. Elle a ce que je suis Zimouni. Zimouni, c'est comme mon nom qu'elle avait donné. Zimouni. Zimouni, que j'aime beaucoup l'argent. On voit les gens qui sont sur Facebook en train de prendre les argent des gens. Les feuilles de route que vous mettez, il faut les respecter. Attends, on voit les gens qui sont sur Facebook en train de prendre les argent des gens ici là maintenant. Zimouni. Zimouni, bimoule. Bimoule. J'aime Lolo. Tu aimes Lolo, mais le timing. Des fois, épargne ce nom. Laisse un peu que la poussière se lève. Laisse un peu que le truc passe. Pourquoi choisir un moment où les mouches sont sur elle, où sa télé a du vent en poupe? Va à la télé regarder, donne-lui ses éloges en tant que ta soeur, appelle-la quand tu veux, mais ne cherche pas à toujours la... c'était 500 pounds, c'était pas 500 euros, c'était 500 pounds, 500 livres sterling, c'est ça non? Oui, c'est un livre sterling. Non? Donc, ne pas... ne déclare pas que tu... C'est comme si tu sais qu'en ce moment, tu es en guerre avec une personne, puis tu déclares. Voilà, c'est comme ça que Ngoï a pris le poisson fumé de Mado et mettre sur son mur. Parce que tellement, tu as fait une apologie, quoi de Lolo. Elle a aussi dit que bon, elle met Mado sur son mur. C'était pour t'écœurer. Elle a mis ça une seule fois, après elle a même enlevé, je pense. Juste pour t'écœurer. Ta guerre, je vais te dire, le clash, ils sont sur toi en vrai, comme ils étaient sur moi. Ça là, je te le dis sincèrement. Mais c'est un clash d'étouffement. Elle a payé 500 pounds. Oui, elle a payé. Elle-même qui m'a dit, je ne l'ai pas demandé. Elle s'est levée, elle m'a dit, toi tu as payé. J'ai dit, non, elle dit, moi j'ai payé. Elle-même qui m'a dit. Donc, le clash de gala, c'est comme un étouffement. Donc, vous m'entomi. Ouais, boumou. Ils n'ont même pas pitié. Quand ils se lèvent, ils insultent les enfants là jusqu'à. Même toi, Moumou, tu n'es pas sème. Tu sais que tu avais insulté Tata Aline ici, tu l'as traité de stérile. Juste pour supporter parce que c'est que Tata Aline avait insulté les bamus, c'est qu'elle avait insulté ta patronne, c'est qu'elle avait fait quoi. Des fois, hein, vous voyez même quelque chose, vous faites comme si vous ne voyez pas. Avec sa cagnotte, elle a vu qui est FDR. Elle a même clashé l'autre jour en parlant de l'affaire de Francis. Mais elle a trop peur. J'ai dit qu'Aïcha Platin est dépassée. Moumou, hein, vraiment, le clash de Moumou, c'est clash étouffement. Ça dit, Moumou, tu es en train de mourir, tu es en ça dit que l'oubi bou glace, l'oubi l'amdi bou que nous injure. Malgré que Moumou t'a clashé, est-ce que les asticots arrêtent alors de les. Non, elle me clashait, soit disant qu'elle était dans une team et qu'ensemble dans le move. Mais elle savait pas que j'avais le dos lâche. Que j'avais le dos lâche et que ça allait glisser. Elle savait pas ça. Du cadavre, le jour que Moumou m'a clashé, du cadavre a pu le relève. Parce que comment on appelle? Patricia Matika a téléphoné à du cadavre parce qu'on le payait. Que ouvre la ligne. Ils ouvraient la ligne. Nathalie Badjere va appeler là-bas. Oh, c'était chaud. Oui. Maintenant, ils sont où avec? Du cadavre s'est levé. Elle dit que les enfants sont quoi là? Du cadavre a dit que les enfants sont comment là? Qu'elle hisse ça comme un trophée pour Mandis. Maman. Du cadavre est dans la team. Maman. C'est chaud, Moumou, hein, ça parle. Hein. C'est le terminator. Moi, je préfère même qu'on me prenne en vrai. J'ai dit que moi, je préfère qu'on me prenne en vrai. Après, je dis que c'est les amis. Vous ne pouvez pas me séparer. Et les messages. Moi, j'ai lu tous les commentaires parce que moi, on m'envoie les captures. Parce que moi, j'ai mes gens là-bas. J'ai les mouches là-bas. J'ai mes gens infiltrés là-bas. On m'envoie les captures, les commentaires. C'est du genre, oui, l'ami de mon ennemi. Tu ne peux pas dire que tu aimes notre meuf et puis tu es là-bas. Tu ne peux pas dire que comme ça. Dis donc, on voit ton cœur. Toi, pas une fois. Tu avais dit que tu étais parti. À un moment, elle avait quitté la team. Après, elle a dit qu'elle est sympathisante. Après, quand c'était le tour, qu'elle devait venir me clasher, elle a dit qu'elle est encore dedans. Elle m'a clashé. C'était même un mois, je ne sais même pas. Chaque jour, elle croyait qu'elle allait faire le terminator. Elle savait que moi, je suis. Ça dit qu'elle on en haut. Où finit le maman? Ou que Greka Chunga, ça va même pas sortir de l'auberge, je te promets. Ha, vous blaguez. Ha. L'heure juste. C'est pour ça que je vous bats aller-retour, parce que je suis dans la vérité, l'heure juste. La vérité, c'est la seule chose qui bat toutes sortes de choses ici, dehors. La vérité et l'heure juste. Oui, elle a dansé la musique de Tata Aline. C'est pour ça que Ngoï a partagé aussi la nourriture de les fumées de Master Mado. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu ne comprends pas Baranté, mais quand elle parle, ça donne le goût. Maman, j'ai dit que j'aime parler mon patois.
Le direct tremble trop de signaler. Ma maman, ils n'ont qu'à signaler. Comme ils ont vu que j'ai eu beaucoup de vues aujourd'hui, pour eux là, je suis déjà à 1 000 $. C'est ce que dans mon compte. Attendez, regarde mon compte. Hein. Ouais, comme je suis sur mon téléphone. Attendez. Lévi! On va m'emporter l'ordi. Je vais regarder mon compte si on est à virer l'argent. Je suis bon. Brrr. Quand c'est 180 vues là, c'est combien? C'est même 180 $ ou bien même 18 $ ou bien 11 sous. Bagnoco. Ça mène quoi? Du cadavre a dit, si je ne viens pas pleurnicher pour ses enfants malades, c'est le viol et son professeur de léchage ne dit mot. Du cadavre a dit, si ne viens pas pleurnicher pour ses enfants malades, c'est le viol. Ah, si elle ne vient pas sur Facebook pleurer pour les enfants, elle vient parler du viol. Et son professeur de léchage ne dit mot. Oui, Ngoyi n'a pas dit à du cadavre de laisser Moumou. Non, elle n'a pas dit. Ngoyi est comme ça, c'est une personne qui aime... Attends, grave affaire. Oui. Je lui ai dit ses vérités sur son poste. Elle m'a traité de sale chienne. C'est pas grave. Elle est bimou, elle est pas là. Elle m'a tellement incité. Elle m'appelait Zimouni. Elle me clashait pour plaire à sa patronne. Mm-hmm. Oui, elle est... Maintenant, elle est comme ça. Moumou pour étouffer. Elle m'a fait connaître. Elle m'a connaître sur les réseaux sociaux. Moi là, vous savez, je suis avec mes enfants différents. Moi ici là, je suis comme ça là, je suis l'argent, je vais essayer d'arranger pour faire les trucs de logique. Moi je construis les trucs, je construis parce que, bon on peut pas construire parce qu'il n'y a pas assez d'argent, on peut pas construire mais on peut faire quand même des choses. Et puis le litchi même c'est la première fois, la dernière fois que j'ai fait, je fais plus moi les litchi. Maintenant on va seulement dire les choses et puis les gens vont donner ce qu'ils peuvent donner parce que la façon que le litchi l'a fait. Le litchi fait avec qui? C'est ta patronne qui a 4 litchis sur Facebook, pourquoi toi tu viens parler? Le litchi fait avec ta patronne, donc tu es en train de tirer sur ta patronne par manière. Nous on voit ça. Tu es en train de tirer sur ta patronne, parce que c'est ta patronne qui a 3 litchis. Il n'y a pas un autre litchi. Pour maman Pépé, c'est pour les orphelins et les machins, mais c'est calme là-bas, tranquille. C'est même un PayPal, c'est là-bas. C'est ta patronne qui a litchi avec toi. C'est vous qui avez le nom litchi. Maman Pépé, c'est PayPal. Il fallait dire que le PayPal. Ah, les litchis là, vraiment, moi je fais plus. Moi, il va m'en venir. Les gens vont venir de l'argent. Ils ne donnent plus, c'est tout. Moi, je sais pas ce qu'elle veut. Hein. Elle a dit wait and see. Tout dans la vie, c'est wait and see. You never know. Wait and see, nous attendons de voir. Et nous voyons tout ici, là. Tout ce pays ici-bas. Moumou, aussi vrai qu'un Dieu qui existe, ce pays ici-bas, chérie. Mais tu n'as pas de problème. 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 Tu as la vérité. Elle ressemble. Elle n'est pas barrante. Elle ressemble à un enfant qu'on a. Maman, elle avait même dit qu'elle n'était pas barrante. Ils sont doux. Elle avait dit que je ne sors pas de là-bas. Et quand elle avait, on m'appelle, on me dit que, mais qu'est-ce qu'elle te prend? Je dis, je ne sais pas. Elle prend ses enfants. Oui, c'est son fond de commerce. Si son fait marche, c'est une bonne chose. Est-ce que Ducamé dit qu'elle cherche la compassion partout en utilisant tout ce qui est sensible, soit ses enfants ou le vol ou souffrance, etc. Oui, c'est des mendiantes. Elle est comme putain là. C'est les deux mendiantes de Facebook. Elles se sont arrangées pour mettre que c'était moi, Zimouni. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de moi. Merci de m'avoir donné cette force. Je remercie le bon Dieu. Tu m'as donné une force incommensurable. Oui, tu peux, bébé. Je ne peux même pas imaginer. Je ne pouvais pas imaginer que ce combat, je pouvais le mener de la sorte. Mais Dieu, celui qui dit, hein, ma fille, celui qui te tend la main comme ça, il dit, vas-y. Celui qui transforme tout ce que tu touches en or, il m'a donné une force. La mendicité que vous m'avez mis, c'est vous les mendiantes. C'est vous les mendiantes. Vous comprenez, non? Les gens disent que les barantés sont dit, on les manipule pas. C'est pas qu'on manipule Moumou. Je vais vous dire une chose. Ngoyi la tient avec quelque chose. Parce que Ngoyi, c'est une personne. Quand elle est avec quelqu'un, cherche ce qu'elle va te tenir avec. Moi, elle ne me tenait avec rien. C'est pour ça que quand pour moi, déclencher, c'était parti. Na gogo et gogo. Il n'y avait rien qui va arrêter. Mais Moumou, elle la tient avec quelque chose. Vous comprenez, non? Moumou, elle la tient avec quelque chose. Dieu, c'est celui qui dit et celui qui fait. Celui qui met la main protectrice. Celui qui ouvre la lumière sur le champ. C'est celui qui sait que son sang précède le pas de ses enfants. Je n'ai rien fait de mal à ces deux femmes. C'est pour ça que, jusqu'à ce que la terre finisse, c'est elles qui devront répondre. Ah oui. Aussi vrai qu'il y a un Dieu qui existe. Je suis zen. Je suis calme. Rien. C'est-à-dire que tout baigne. Quand je dis tout baigne, c'est-à-dire que Ndolé mourut crevette. Mon kanjou, poisson fumé, tout ce que moi je fume même. Vous comprenez, non? Elle a au moins 4 litchis en ligne. Ngoyi, 4 comme ça. Ils ont même signalé les autres, je pense. C'était 4. Il y avait pour 150 000 euros, il y avait pour 15 000 euros, il y avait pour 7 000 euros, il y avait pour
Le troisième, c'était quoi? 25 000 euros. Elle a mis beaucoup de litière. C'est 4. Sa maman avait la cinquième. Ma pépère a son PayPal. Pour ma pépère, ça s'appelle PayPal. Donc, c'est pas litchi. Ah, j'ai envie de faire les litchi. Parce que. L'histoire retiendra que Moumou, elle a ses pieds, tout le monde suit ses pieds, oui. Les mouches, hein, parce que moi, je ne suis pas mes pieds sur elle. Quand elle dit Moumou, c'est qu'elle est... Il y a un trou d'air dans sa tête. Ça, là, je ne mens pas. Voilà, c'est comme ça. De ma pompe. Toi, tu mets seulement ce que l'histoire retiendra. Elles sont faites de Bappé Lappé. Oui, 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 elle la tient. Et comme faut qu'elle la tient avec quelque chose, c'est pour ça qu'elle ne peut pas. Elle est, j'ai dit que c'est un clash étouffé. Okay. Elle est, tu vois, quand tu es dans l'eau, tu nages. C'est ma soeur. Elle m'a fait connaître dans les réseaux sociaux. Les mouches sont là, ils insultent. On l'appelle comment la galeuse. Ils ont des méchants mots pour elle. Mais depuis qu'elle est dedans, hein, non, depuis qu'elle est là-bas, on l'insulte copieusement, les enfants avec. Je vous assure, j'ai déjà calmé cette fille à l'époque, je la calmais, mais elle pleurait tout le temps. C'était une pleurnicharde. Elle ne voit pas comment elle a fait un faux courage. Elle est venue me s'asseoir pour me parler aussi. Là. Elle riait, ça veut dire que ouais, c'est pas possible. C'est que quand tu es amie, non, tu vois un enfant, il s'agit, tu dis que arrête, boum, dans que tu es. Arrête-toi, oui. Vous comprenez, non? Oui, cotiser dans le litchi de ma pépé. Il y a aussi le litchi des orphelins chez ma pépé. Là-bas, là, c'est calme, ça dort, c'est là. Vous voyez, non? Donc, Moumou. Quand tu dis que tu ne fais plus de litchi parce que les bavardages et les litchi, c'est dans ta team. C'est chez vous là-bas que le litchi a pris. Les mouches peuvent mourir. Les mouches disent qu'on cotise seulement pour ma faute. On ne cotise pas pour. Elle est venue pour profiter. Je dis qu'elle est commentaire de ça. Les mêmes choses que vous disiez sur moi. Jordan Gretumna Agrubanga. C'est qui avait fait la prune va faire le noisetier. Et Ngoye là, elle regarde parce que c'est à son avantage. Elle ne dit quiconque. Après, elle va rester. Elle va dire laissez-la tranquille. Un genre, une phrase comme ça. Du Cambindo insulte. La galère propre, Ngoï ne dit rien. FMP, elle dit que non, du calme. Laisse-la. Oh, quand elle conduisait sa voiture d'antan, vous vous souvenez? Quand mon ex-fils Guy Emma s'était levé un matin, quand il avait vu l'injustice, il devait ramasser Satan éternel. Nchuchunamba. Quand il devait ramasser Satan éternel. Maman, Ngoï était au volant. Elle ouvrait le direct. Laisse-le tranquille. Elle appelait. Lève Satan éternel. Ne prononce pas son nom. Elle allait même courir la voiture. Mais les autres, non, vous pouvez pas aller. C'est la vendite populaire. Hmm? Je demande, elle ne coiffe jamais son troisième enfant. Moi, je ne peux même pas entrer sur ça. Parce que les enfants, c'est la bénédiction. Le seul enfant que j'ai insulté et que j'assume, c'est l'enfant de Deneba. Parce que Deneba, je ne la connais pas. Elle s'est levée. Elle a appelé dans le direct de Ngoï et elle a fait un audio comme un peu quand Demano aussi a appelé. Mais c'était quand même assez lourd. Et moi, c'est quelqu'un qui a enregistré et m'a envoyé. Moi, là, je ne les suis pas. Mais quand on m'envoie, j'écoute. Dès que ça fait ringing, le ringing que ça fait, c'est ça, je réagis directement. Je ne discute avec personne. J'assume, même si on va jusqu'au paradis. Quand Dieu va dire c'est quoi, je dis Dieu, viens écouter ici. C'est comme ça qu'il fonctionne. J'ai dit que vérité vraie, Santa Barbara. Moi là, les yeux fermés, les yeux ouverts, je te répète ça. J'ai la mémoire, c'est la différence avec elle. Comme elles inventent sur les gens, elles pondent des inepties n'importe comment, elles ne peuvent plus recadrer. Moumou ne se rappelle même plus de certaines injures qu'elle a de nos gens. Elle peut lui donner, même moi, ce qu'elle m'a dit, gratuitement comme ça, pour mes jeux de jeu, je me rappelle de tout. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que j'ai de la mémoire, c'est une faculté que j'oublie, surtout chez des moumous, chez des bêtes gens, des gens. Ngoï, elle est centrée sur l'argent, donc sa mémoire, c'est un cap. Voilà Madame Jean Kanka Sandrine qui est décédée. Ngoï dit qu'elle n'est pas morte. Elle pleure. Je dis qu'elle pleurait alors grave avant. Hein. Ah, petit truc, elle pleure. Elle s'assoit sur les réseaux sociaux. Oh, oh. Quand elle voulait faire passer Madame de Paris pour une sorcière qui a fait quoi? Elle s'est assise en plein milieu des gazons. Oh, on a fait comme ça. Oh, ces gens-là, le théâtre qui peut faire. Le théâtre qui peut faire. Dieu même au ciel sait que mon enfant, c'est Nathalie, c'est moi qui l'a créé. Non? Voilà. Ça passe à rec à ce niveau-ci. Ce qui est sûr, c'est ça. Quand vous allez vous lever prochainement sur une autre personne, est-ce que, et si elle est comme la reine Mère, on va faire comment? Pensez d'abord. Moi, je vous dis ça, la team de merde, de avortons de mouches là. Quand vous allez vous lever sur une autre personne, dites-vous bien. Pour Moumou, vous pouvez. C'est votre serpillère depuis le jour 1. Moumou, tu n'as jamais eu de paix dans cette team. Il faut le dire. Ta patronne ne t'a jamais protégé. Arrête ton chat. Je dis bien, arrête ton chat. Coucou Arlette, arrête ton chat. Vous comprenez, non? Oui, c'est pas méchant. Il faut aller lui dire là-bas qu'elle coiffe l'enfant. Moi, quoi dedans? Peut-être qu'elle veut lui faire les locks naturels. Je sais pas. C'est pas mon problème. J'ai dit, Moumou, ta patronne, depuis la nuit des temps, tu as insulté. Tes enfants sont insultés de Mongol là-bas. Depuis Bobon Djolasso. Oui, oui, depuis longtemps. Tu as tout pleuré. Donc, ma chérie, c'est toi qui es vraiment la serpillère.
Vous voyez, non? C'est toi qui es la serpillère, ma chérie. Et tu viens. Ça dit, c'est pour ça qu'on dit le ridicule, si ça tuait, c'est que ce que tu es la mode. C'est que toi, tu as déjà mis. Ça dit, où tu as... Et comme vous ne comprenez pas le français, vous savez, hein, quand je parle comme ça, là, Momo va entendre à travers. Hein. Demain, peut-être, va vous dire que j'ai même dit que. Elle va former une phrase. Pardon. Ces amis-là qui me suivent, allez lui traduire. Lui traduire. Lui traduire. Je ne vais pas dormir à quelle heure. Vous savez quelle heure il est ici au Canada. Ici. Vous savez quelle heure il est. Si tu dis que pas dormir, vous savez quelle heure il est ici. Il est peut-être 19h, je pense. Il est quelle heure? Attends, je vais vous dire. Je ne sais pas l'heure ici. Peut-être 19h. Ça fait 1h19 que je suis en direct. Il est peut-être 19h. C'est pas tard. Tu me dis d'aller dormir. Ndam chou, toi-même va dormir. Regarde-moi quelqu'un. Va dormir. Toi-même va dormir. Tu fais quoi ici? Je vois vous chier. C'est comme ça que vous êtes toujours. C'est le ridicule, tu es Elisabeth. Putain, là de l'île, elle n'est plus là. Moumou, alors, hein, c'est grave. Parce que ce qu'ils ont fait à cette femme. Moi, vraiment, je vous dis, c'est pour ça que vous allez voir que je ne me suis jamais. Voilà, 20h à Montréal. Merci, ma chérie. Je ne me suis jamais assise pour clasher. Pour clasher cette femme. Parce que quand je la regarde, je me dis, mon Dieu. Juste une journée. Si je, c'est le genre, tu passes une journée avec elle, tu dis, mon Dieu, c'est comme ça que la mère s'y passe jour et nuit. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Le papillon 22 grammes. Je l'ai vu en direct d'Aimant pour clasher Tata Aline. Je ne sais pas s'il va revenir sur moi aussi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Elle n'est pas allée voir les enfants. Je lui avais réclamé ça. Elle n'est pas allée quand on a donné les différents diagnostics. Elle n'a même pas souhaité. Elle n'est même pas allée souhaiter l'anniversaire d'Aimant. Moumou m'a même parlé de ça en passant. Mais elle aime beaucoup, elle a fait connaître, c'est la raison, ça, je l'aime beaucoup, c'est ma sœur, elle a fait connaître. Mais elle a fait de ça, on appelle ça quoi là? Merci ma Clarence Chou. Elle a fait de son amour pour sa patronne là, l'initiatrice, elle a fait de ça, une hantise. Elle a hanté, nom de amour, elle a hanté. Ma patronne m'a fait connaître, on n'avait jamais baissé parler avec elle. Si tu fais comme si on veut t'enlever avec, on va t'amener où? Donc, tu crois que moi, je veux que tu viennes me trouver? Une mytho inventeuse, même jusqu'à la tête finie, toi et moi, on n'a plus rien à faire ensemble. Il faut que ce soit clair dans ta tête. Il n'y a même pas quand tu es réconcilié avec que tu étais qui à moi. On n'était pas amis, chérie. Donc, c'est moi qui devais t'écouter pour t'apaiser. Donc, c'est toi qui avais plus besoin de moi que j'ai besoin de toi. Donc, je t'amène où? Je t'amène où, chérie? Je n'ai pas besoin. Donc, il ne faut pas faire comme si. Non, vous ne pouvez pas me séparer. On va te séparer pour t'amener où? Mais tu fais tout ce que tu fais. Tu t'assois, tu déclares ça comme si c'est trop, you know. Tu es devant, on t'amène où? 2 grammes. Il n'a pas grossi. Est-ce qu'il a déjà remboursé la. 22 grammes a déjà remboursé l'amende de 6 000 euros parce qu'ils ont beaucoup de choses. Peut-être le litige de Ngoï, si c'est prévu pour rembourser l'amende. Ngoï, n'oublie pas de faire la moitié de l'amende parce qu'il avait 6 000 euros. Tu peux donner même 3 000 non? Dans les 4 000 là que tu as eu. Tu vas nourrir un Angrenga avec quoi? Tu veux l'amener au Cameroun. Tout ça, toi seul. Tu veux relancer la société. Tu veux prendre la boutique. Tu veux amener tout ça, c'est sur tes fans. Vous allez, on va vous essorer. Et quand vous prenez une serpillère, vous essorez. Nizi, nizi, nizi. On va vous presser. Vous allez que payer. Biabi. Biabi, tamba. Ouais, que. Putain, Adeli, non. L'histoire retiendra. Amgidi. Tose komindanti. Aoudia. Bon, vous quittez là-bas. Tu veux écrire quoi ici? Tu vas aller chercher les fans. Chimou. Essaye de chercher les gens. So, Oma, bloqué. En qui a dit. Tu fais tes incantations ici. Va trouver les murs de Ndema Poum Poum. Tu écris ça là-bas. C'est eux qui connaissent les marabouts avec sa soeur. Tchankounia. Tu viens écrire quoi ici? Toso Kobouma. Je cherche pas beaucoup de gens à me suivre. Hein. Non. Ça, c'est même trop. Moi, je suis connecté là. 10, 15, c'est bon. Je parle et puis je m'en vais. Ah oui, j'étais bloqué. Snow, whatever. Tu vas plus écrire. Tu vas seulement regarder. La plus bio. La femme, tu dois, qui est belle économiquement, qui s'assume. Oui. Qui a fait un challenge et a perdu 10 kilos en 14 semaines, hoha. Et qui a des femmes qui la suivent, des femmes dignes, intègres, oui, qui font la même chose qu'elle. Elle a une énergie débordante, contagieuse. Oui, bénie en arrivant, bénie en partant. Tout ce qu'elle touche se transforme en elle. La preuve, elle a invité votre patronne putain à 3 fois. Sale comble. La patronne est revenue dans le même pays, 20 personnes. Ce qui est sûr, c'est ça. On ne discute avec personne. Vous allez réveiller, ressusciter, je ne sais même pas qui. L'histoire retiendra. C'est tout. C'est tout. Maman, c'est comme on fait son lit quand on s'y couche, Olga. Tu dis que personne ne prend Moumou au sérieux. C'est comme on fait son lit quand on s'y couche. Elle-même a mal fait son lit dès le départ. C'est qui est sûr, c'est ça.
Elle a mal fait son lit. Et chaque fois, elle sait qu'on est sur Lolo. Les mouches sont sur Lolo. Mais c'est là où elle vient déclarer sa déclaration d'amour sur Lolo, sur Facebook. Ma chérie, tu peux aimer quelqu'un. Tu n'es pas obligé de déclarer ça. Aime quelqu'un en silence. N'ajoute pas l'huile sur le feu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand les mouches sont déjà sur Lolo, qui veulent que la télé de leur patronne dépasse pour Lolo, et que toi tu viens dire que tu aimes Lolo, mais ils se retournent sur toi aussi, surtout que ton litchi monte. Leur patronne a struggle, peut-être 3 semaines pour atteindre 4000. Toi, du coup, ouf, tu es à 6000 ou 7000, je ne sais pas quoi qu'on m'a dit. Franchement. Ah oui, oui, Élise est là. Moi, j'ai la crème de la crème. Les femmes intègres, les femmes dignes. Les femmes. Oh là là, j'ai ma beauté, belle-sœur Marie-Lou. Elle est là. J'ai les femmes dignes, les femmes intègres, les femmes. C'est-à-dire que proactives. C'est-à-dire que quand elles disent qu'elles font quelque chose, elles font. Persévérantes, endurantes, de parole. Voilà, je ne suis pas avec les Toi, Boi, Bofou, vous, et là, vous nous n'êtes pas. Ils sont souvent en train d'insulter les gens. Vous voyez, depuis que je suis connectée, vous voyez les gens insulter les gens ici. Il n'y a pas les injures ici. Si Mboi se connecte, elle commence à parler de moi. Oh, oh, on m'a insulté. Non, non, non. Nous, on ne fait pas ça. Insulter les gens, pourquoi? Quand on insulte, mais on ne lit même pas le commentaire des injures. Parce qu'il y a des mots, surtout quand on insulte la milliardaire, on dit qu'elle est quoi, là, elle a les quoi, les machins. Je glisse sur les commentaires des injures. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas fabriquer un humain. Quand je parle de Moumou, je ne parle pas de sa morphologie ou son gabarit. Ça ne m'intéresse pas. Mais je donne l'heure juste sur le personnage et l'état d'esprit qui l'anime. Et le timing qu'elle utilise pour mettre sa sœur du village qu'elle aime beaucoup. Tu la mets pendant que les mouches sont en soif de l'insulter, mais ils vont sauter sur toi. Tombe là, tu réfléchis même. Oh là là. Et ton litchi même, ta patronne n'est pas là. De ma pompe, moi, c'est ma... Demano, il m'écriait que la paix, la soeur, quoi. Demano, quitte sur mes choses. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de Demano. Je ne veux plus de toi. Va, c'est bon. Reste avec ta soeur, tiens. Mais je suis ta soeur, maman. Comme je danse, tiens, c'est bon. Là, c'est comme ça que quand elle donne l'heure juste à ta soeur, c'est bon à moi jusqu'à. C'est comme ça. J'ai fait de ça, c'est comme ça. Maman, je suis trop contente car tu as bloqué Mandon Japa. Et elle est énervée. Car elle fait de mauvais. Oui, je savais. Quand je l'ai bloqué, j'ai dit, allez, go, au boulot. Donc, Mandon Japa va m'insulter partout. Je ne m'attends à rien de bon d'elle. Et j'ai dit, au boulot, je savais. Quand je l'ai bloqué, ils peuvent mourir. Même de ma pompe, elle va se lever. Elle peut même commencer à me clasher, même sur 3 mois. Comme elle avait clashé sa soeur. Le marabout aussi, tiens. Un coup, elle pleure. Un coup, elle se réveille. Après, elle dit que je n'ai aucun point avec toi. Tu es ma soeur. Je t'aime beaucoup. Après, elle dit, tu es un bonbon. Tu es un bonbon. Tout le temps. On a vu ça ici. Moi, là. Et d'abord, vous êtes en Europe, moi ici. De un. On appartient pour même diapason. Je suis une promotrice événementielle. C'est comme ça que je me trouve dans la cour de la fosse au lion que vous, au lion que vous êtes. Vous voulez même manger les vautours, vous voulez même manger. On n'appartient pas au même. Je n'ai pas vendu. Je n'ai aucun camion garé nulle part. Je n'en aurai pas. Je n'ai pas le corps à vendre. Je n'en vendrai pas. Même dans une autre vie, on n'appartient pas. Nous ne sommes pas de la même trame. Nous n'avons pas les mêmes vies. Vous comprenez, non? Nous n'avons pas les mêmes vies. C'est comme ça. Donc, mettez ça dans vos têtes. Dites-vous qu'il y a les uns et les autres. Je fais partie des autres. Vous faites partie des uns. Ou je fais partie des uns et vous faites partie des autres. Mais on est ensemble, on est dans le même pays. Mais vous, on n'est pas même chose. Non. Là où mes pieds foulent. Jusqu'à là, Moumou m'avait expliqué ce qu'elle dit que je suis partie voir la première dame. Et que quoi? Elle avait même touché même ça. Donc, chaque fois, elle disait, tu as vu la première dame, tu n'es pas n'importe qui. Comme elle rêve de la voir. Est-ce qu'on est même chose même? Oh, je vous aime beaucoup, hein. Je vous aime beaucoup, c'est pour ça que je prends le temps de parler. Parce que je suis éducatrice de formation, donc je répète tout le temps. Je vous aime trop. Estimez-vous heureuse parce que je vous donne l'heure juste. Je vous regarde chaque temps. Oui, chaque temps. Et je ne me lasserai de vous regarder. C'est un faux profil, maman. J'ai dit qu'elle aime, mais je l'ai bloqué il y a un mois. Maman, elle peut mourir. Et chaque fois qu'elle venait sur mon direct, dites-vous que pantalon de Moriba pour insulter Lolo. Je lui ai dit un jour que si tu écris encore le nom de Lolo en disant pantalon de Moriba, je te bloque. Maintenant, elle venait dire Lolo. J'ai dit, même si tu mets pipi, je te bloque. Elle a arrêté. Maintenant, elle disait Lolo. Ah, comme ça, je dis, c'est pour vous là-bas. Parce que les abeilles, elle est abeille, Mandon. Et elle aime beaucoup Moumou. Et elle défend Moumou chez les abeilles. Donc, comme les abeilles insultent Moumou, elle défend Moumou chez les abeilles. Elle dit que non, quand même, on est ensemble. Mais les abeilles, parce que c'est bizarre. Hein? Le jeu qui se joue là-bas, c'est que Moumou, dans le timing, choisit le mauvais moment pour valoriser sa sœur. Et dans le mauvais moment, quand les abeilles ont le macabre de la télé qui marche, les abeilles atterrissent sur Moumou et c'est comme ça que ça part et ça n'arrête pas. Je vous dis, c'est toute une histoire cette affaire-là.
C'est toute une histoire. Et du coup, ça fait que maintenant, les abeilles sont, regardent maintenant le litchi de Galoise. Et comme elle a fait le direct, elle a dit que, parce que Galoise, quand elle fait son direct, elle parle aussi des choses, façon, oh, je fais plus les litchi font trop de ceci. Vous connaissez les abeilles, c'est des gens qui trouvent les polémiques en tout. Dès que tu dis, si elle dit ça, ça veut dire quoi? Elle veut parler de ma voix. Elle veut dire que notre patron, elle veut parler d'elle. Non, je suis le bille. Il y a un bille là qui est sorti de son trou. Moi, je suis bille. Demain, si c'est comment, si ma foi atteint, bille, viens sur moi. Vous êtes poumonné. Vous avez dit quoi? Vous allez encore dire quoi? Listen. Imbécile. Je vous aime trop, hein. Que je rentre comme ça, au lieu de faire ma routine du soir, je vais m'asseoir pour vous parler. Bon, donc, la femme de Jean Cancan est décédée. Paix à ton âme, Sandrine. Paix à ton âme. Tu n'as même pas pu retourner au pays natal. On t'enterra en Allemagne. Paix à ton âme. Tes deux garçons que tu laisses dans le deuil, que Dieu leur donne la force. Parce que perdre une maman, c'est perdre tout ce qu'il y a de chair. C'est perdre presque tout dans la vie. C'est lourd. Et si jeune, parce que ses enfants ne sont pas grands, là. Si jeune, c'est difficile. Et toi, son mari, là, Jean Cancan, je vais t'appeler pour vous comme ça. J'espère que quand tu as fini le deuil, tu vas un peu t'occuper des enfants. Hein. Mm-hmm. Tu vas vraiment t'occuper des enfants. Sandrine n'est plus là. Mm-hmm. Tu as compris, non? Et puis venir faire l'apologie de votre pète-pète de patronne là, qui a chuté, qui vous a souillé toute une team, qui tend des produits vieilles puis à le laboratoire caca. Caca Club de Bonaventure. Vous avez vu le laboratoire, non? Oui, elle joue au chat et à la souris. Elle ne doit pas faire ça. C'est Galoise qui réveille les mouches sur Lolo. C'est Galoise. Elle ne doit pas faire ça. Donc, Jean Cancan, tu as vu comment elle vous a rabaissé, non? La honte de ça. Vous étiez dans un laboratoire, dans les grands laboratoires de France. Vous êtes descendu. Quand ces abeilles se retrouvent dans les quatre murs, ils prennent conscience. Mais tellement dans le civisme, ils ne veulent pas avouer. Oui, ils prennent conscience. J'ai beaucoup d'abeilles qui m'écrivent. Oh là là, j'en ai beaucoup. J'en ai même qui sont là-bas, qui prennent les captures et viennent me donner. C'est comme ça que je suis au courant. C'est des posts que je vous dis, c'est des posts postés par amis. C'est juste les amis. Ça dit que nous, on ne peut pas voir ça ici. Ils postent entre eux, ils croient qu'ils sont fermés, mais j'ai mes gens là-bas. Oui, qui savent qu'on ne peut pas laver le porc, ils deviennent propres. Ils sont fatigués, ils ne mettent qui coque dans rien. Mm-hmm. Donc, elle lance un jouet, elle dit on va cotiser pour que. Maintenant que tu as eu peut-être 4 000, ça fait quoi? Ça a changé quoi? Est-ce que mon compte bancaire va baisser? Est-ce que ma feuille de route va changer? Ça fait quoi? Même si on te donne 100 000, ça fait quoi en fait? C'est ça qu'on veut fermer dans ton ventre, putain. Là. Arrête de venir faire les chavous. La femme de Jean Cancan meurt, tu viens dire qu'elle n'est pas morte. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, tu joues quelque chose, tu veux montrer, tu veux prouver, tu te connectes, tu fais un direct, tu te connectes, tu déposes un Congo sans que tu sais que ce n'est pas vrai. Quand ton ex-ami Patoumel t'appelle pour dire que pourquoi tu as déposé, tu dis ouais, je fais comment, je supprime alors, parce que sachant que c'est déjà parti. Et la poussière va commencer à se reprendre, les gens vont penser qu'a fait que. C'est comme ça que tu es. Mais ton jeu, je l'ai démasqué. Je dis que j'ai pris mon temps, Fleur de Lille, pour te démonter. Et Dieu merci, tu es descendu de ton piédestal. Très vite. On m'a montré une de tes photos récentes. Il paraît que tu gonfles comme au rejet. Tu n'as pas même pu manger chez ton président. C'est comment? Maintenant, c'est le tapioca que tu bois. Parce que même ton président, lui, il a pris son mariage, il l'a mis sur sa tête. Il est go avec elle. Ton président hypocrite, là. Ah, on nous en galigue. Parce que j'ai demandé à la personne sur le mur. C'était une page d'un faux profil qui a posté quelque chose. J'ai vu une photo. J'ai dit que. Okay. C'est une photo passée ou quand? J'ai dit, c'est passé. C'est récent. Parce que sur ton mur, tu as le. Des bouteilles de zoazois qui restent là, derrière toi, comme tu veux imiter Marie la Rose là. Tu as mis un mur comme ça, tu as mis tes bouteilles de zoazois. Donc c'est récent. J'ai dit, qui elle grossit comme ça comment? Maman, même le foirage fait grossir, le stress. Parce que quand tu as coupé ton corps, non? Quand tu as fait un placard, tu savais que l'été là qui devait suivre, et cet été, 100 000 euros c'est petit dans ton compte. Ça veut dire que chaque mois, tu devais produire au moins 10 000 par mois. Au moins! Maman, même 25, il n'y a pas. Parce que les vrais payeurs ne peuvent pas aller. Il y a confinement, chérie. C'est chaud, hein? J'ai démantelé. Sandra, hey, Santa Barbara, tu ignores quoi? À son final. Nayo! Et c'est bon à moi jusqu'à. Ça dit que. Tu as le bon, le manque là. Alors, moi, tu que. Ay, je parlais de quoi? Non, je vous dis. Merci, Sek. Ça, c'est ma fan du Sénégal. Merci, ma chérie Sek. Ça fait longtemps.
Je dis que je vous dis que quand je m'assois, je... mais appelez-moi maître de naissance. Je suis que le plaidoirie, je te développe ça par A plus B. Oui, le corona ne laisse pas, le fait ne marche pas. Toi, si tu montes 4 litis et ta soeur, que tu as fait connaître dans les réseaux, ça fait connaître, vient gronder les litis. Oh, je l'ai fait pire parce que les litis là, sur Facebook, les litis. Non. C'est le litis de ta patronne que tu parles. Tu es en train de tirer sur elle. Ces mouches ne vont pas accepter. On dit qu'elle parle de ça. Nous, on ne cotise pas là-bas, on cotise ici. Ça commence à faire les tétététés. Sauf que hein, tu as eu le temps, Moumou. Tu as pu bien taper ton exé. Ton voyage au Cameroun, petit tour au quartier avec les mamans, les comme ça. Oh, 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 ha, oh, ha. Tu es revenu exé, pum. Le feu a pris. Là, ça a pris. Merci pour des bisous, ma fan du Sénégal. Merci, ma chérie. Je vous aime beaucoup. Alors, il est déjà 20h. Il faut que j'aille. J'ai ma routine du soir à faire. Là, c'est mon reste d'eau que j'ai même pas fini. Du moins, c'était la quatrième bouteille. Mais j'ai eu un thé que j'ai passé aussi dedans. Mm-hmm. Mm-hmm. L'eau, c'est la vie, je vous assure. Merci pour les cœurs. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue et tout. Merci. Elle a raté le coach. Marvin, elle a raté le coach avec notre Carole dit bon, notre agent. Mais oui. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu, ceux qui m'ont surtout compris. Parce que vous savez, quand tu es incomprise, c'est très frustrant. Quand tu es incomprise, surtout par ceux que tu aimes bien, c'est très frustrant. Et le président va tacler à Madrid, c'est chaud. Non, il a ses papiers là-bas. Non, ils avaient dit que ses papiers, c'est là-bas. Il passe souvent pour renouveler, je ne sais pas. Mais c'est bien. On a même dit à un moment qu'il a le Ganda. C'est bien. Tous moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Ne vous moquez pas de pour les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et avec ça, il y a un faux profil qui s'appelle Mafo Biemassi. On l'a publié. Elle est dans un restaurant. Plongeuse. Propre. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de sous-métier. Mais il fallait la voir insulter les gens sur Facebook. Elle était plongeuse dans le restaurant. C'est un peu ça. Donc, vous insultez les gens. Quand moi, j'étais avec Diolo, ça veut dire que je suis plongeuse, je suis ceci, je suis cela, gne gne gne. Pourtant, vous-même, vous faites ça. Vous voyez alors comment vous êtes. Il n'y a pas de sous-métier. Surtout ici. Ici, chez nous, balayer la route, là, c'est l'argent. Hein. Ça dépasse même quelqu'un qui allait étudier jusqu'à avoir le diplôme. Vous savez ça. On commence le salaire de balayer les routes beaucoup hein, en haut comme ça ici chez nous. Faudrait-il qu'on te recrute même dans le balayage de route là. C'est pas petit travail. Hein. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, morale de l'histoire. Morale de l'histoire. OK? Madame Jean Cancan est décédée. Sandrine, en Allemagne. Elle est enterrée hier dimanche. Jean Cancan, c'est un banganté. Marie avait deux enfants garçons. Oui? Deux garçons. Dans la maison, il y a trois, mais pour lui qui l'a accouché avec Sandrine, c'est deux. J'ai dit, ça aura. Je sais, il y a personne. Vous comprenez, non? Et on l'a enterré hier samedi. C'est sûr, c'est vrai et c'est un fait. Et nous allons prendre une minute de silence pour le repos de l'âme de cette femme. C'est de ça qu'il s'agit. Allez, top chrono. Une minute. Paix à ton âme, Sandrine. Paix à ton âme, ma chérie. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Avance, nous, on arrive. Maintenant, on continue le combat sur terre. La team de merde et tout ce qu'elle a orchestré sur Facebook, je vous ai dit depuis un an, 8 mois aujourd'hui, comptez, c'était en juin. Juillet, août, septembre. Donc, un an, juin, non. L'autre jour, ça fait un an. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc, un an, 9 mois. Un an, 9 mois. Vous comprenez, non? Un an, 9 mois. OK? Que je suis en combat perpétuel avec cette team de merde, de fouteuse, de merde. Pour des motifs non fondés. Parce que Putana de Lille a fait de la destruction de ses compatriotes un cheval. C'est-à-dire qu'elle a fait de ça un genre de vie. Putana Flor Magina Kinkem, Putana de Lille, la soeur de Dema Pompo, a fait de la destruction de ses semblables un style de vie. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Merci Elisabeth, merci à tous ceux qui écrivent. Amen. Et on a beaucoup de sœurs. Il faut que je vous dise, il faut que les gens... Parce que les gens disent, toi aussi, tu exagères, toi aussi. Non!
Il faut que quelqu'un aille à la brèche. Il faut que quelqu'un aille à la brèche afin que les autres obtiennent la délivrance et la guérison. Définitif. Qu'on soit délivré de cette team de merde. Pour de bon. Qu'aucune manœuvre de cette team n'affecte personne. Je suis allé à la brèche pour ça. Oui. Vous ne m'avez pas compris au début. Mais vous m'avez compris après. Et dans la vie, quand tu sais que le bout que tu tires, quand tu sais que c'est le bout de la vérité, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ils vont body tout ce qu'ils veulent. Fonce. Avance. La roulette et le bâton de Dieu vont te rassurer. Et tu vas avancer. Ça va être Seigneur. Tu vas à la croix. Tu te mets à genoux. Tu dis pourquoi? Le bon Dieu te donnera la force et la capacité de combattre l'armée cinglée de Putana de l'île sur Facebook. Dieu seul sait ce qu'ils ont fait de ma famille. Dieu seul sait. Elle cache, je ne sais pas, elle fait des gens comme quand un mythe, je ne sais pas pourquoi. Sandrine est morte réellement du cancer du sein. Les deux seins. Je vous dis la vérité. Je ne mens pas. C'est méchant. C'est méchant. Juste pour l'argent. Fleur de Lille, que ne feras-tu pas pour les maigres sous? Pour des maigres sous. Une méchanceté. Moi, vous savez, j'étais là-bas. Hein. Je maudis le jour que je suis allée là-bas. Je dis, je maudis le jour que je suis allée là-bas. C'est-à-dire que, c'est que dans la vie, hein, il fallait que Dieu m'utilise. En fait, je suis allée là-bas peut-être pour faire le travail que je suis en train de faire. Parce que je lave sa tête. Vous allez voir que la fille-là ne peut plus faire ce qu'elle faisait là. Vous avez vu, est-ce qu'il y a encore les chantiers? Il n'y a plus de chantier. Je vous dis que je lave sa tête comme il faut. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Putain, là, Denis, en janvier, je t'ai déposé. Tu as dit de revenir. Je suis revenu à la charge. Tu ne peux pas me dépasser. Je vais avec l'heure juste et la vérité. Je n'aime pas la saleté. Je n'aime pas qu'on détruise ses semblables gratuitement. Tu as vu comment tu as réorganisé la descente en enfer de Tata Aline. Mais heureusement qu'elle était plus que forte cette fois-ci. Oui. Elle a pris 8 millions d'euros. Elle a pris 1 million d'euros. Elle a pris 100 000 euros. De quoi je me mêle? Comme mes enfants disent, ma fille dit souvent, what the heck? C'est une expression américaine. Pour dire que, c'est quoi ton problème? De quoi je me mêle? Mais tu as choisi. Sa nudité a encore commencé à défiler. Parce que pour toi, quand tu vois ton semblable gratter ses dents sur le goudron, c'est là que tu vis. C'est ton adrénaline. Hum? Allô, quoi? Et comme je vous dis, ne vous dérangez pas, hein, je vous dis là, aujourd'hui j'ai trop de vues, c'est la totale. Je suis souvent avec peu de vues dans ma page et c'est bon à moi. C'est bon à moi. J'ai dit, Seigneur, aussi vrai que tu existes, si je meurs sur ce problème, je dors. Je vous dis, je l'ai déclaré, même à ma famille, je suis allé à la brèche pour que d'autres obtiennent le salut. Vous comptez maintenant les gens qui se lèvent sur Facebook pour parler à Ngoï directement sans avoir peur? Avant même quelqu'un pour passer, même te dire bonjour, avec peur que oh, la team va sauter. C'est fini. Game is over. Chacun dit ce qu'il veut. Nous sommes libres sur les réseaux sociaux. Nous sommes libres sur la terre. La Bible a dit, allez multiplier la terre, assujettissez-la. Il n'a pas dit, Fleur de Lille, assujettis Facebook et les autres, non. Jamais de la vie, imagine à quelqu'un. Tu ne peux pas continuer comme ça. C'est bon. Ok? Je dis bien, c'est bon. Même ceux qui font la danse des Bafia, avancent, reculent, sont avec toi, ne sont pas comme la milliardaire là, qui t'avait lavé ici jusqu'à dire comment tu as publié la nudité de Lolo, comment tu as publié, comment tu as failli tuer l'abbé, ça, la milliardaire était sur toi. Ces vidéos, je me souviens encore dans ma tête de cette milliardaire qui a dit que j'ai sommé de te mettre 10 000 euros dans le litier. Depuis, je ne sais pas, peut-être en toi en train de collecter ça, ces 10 000 euros là. Oui, on a plein de gens qui font la danse des Bafia là. Mais au-delà de ça, elle t'avait dit ça, cette milliardaire. Tu te prends pour qui? Elle-même te l'a dit. Vous comprenez? Donc, je veux dire, si tu t'assois dans ta chambre, Flo, imagine à quelqu'un, après avoir nourri Anna Grenga des eaux que tu n'as pas quittées dans les maisons, quand tu finis ça, regarde-toi dans la glace et demande-toi, qu'est-ce que j'ai fait? Des gens qui m'aimaient gratuitement. Tu comprends, non?
Je wonder, est-ce que c'est les vues qui payent mon hypothèque? Vous connaissez ma feuille de route? Vous connaissez même... Mais c'est pas possible. Attends, je suis sur Facebook depuis 11 ans. J'étais même pas venue sur Facebook chercher à voir les vues. C'est peut-être toi, Fleur de Lille, comme la Stamaya t'a su. C'est ma faute, je reconnais. J'ai décidé de t'élever d'une manière que ça t'a monté à la tête. Au lieu que ça te monte à la tête et tu décides de je sais pas, de répondre à ceux qui t'attaquent, ça t'a monté à la tête et tu as mangé dans la maison. Parce que tu as fait des attaques un style de vie. Quelqu'un qui fait des attaques un style de vie, quand il finit d'attaquer dehors, il mange dedans. Voilà Jean Cancan que tu étouffes la mort de son enfant. Même si c'est Jean Cancan qui a peur qu'on connaisse qui il est. Toi, Flor Magina Quinquen, tu dois reconnaître que sa femme est morte et te la fermer. Pas venir t'asseoir sur Facebook et dire qu'elle n'est pas morte. Qu'as-tu fait de la famille qui sait qu'il te suit ou qu'il ne te suit pas? Est-ce que tu penses un seul instant? Ouais, justicière. Elle pleure tous les soirs. Elle va pleurer. Elle n'a pas encore pleuré. Elle dit que je danse avec son nom. Je vais danser terriblement avec ton nom. Parce que tu es revenu. Tu as pris mes vidéos dedans. Tu as commencé à mettre mes brûlés partout, partout. Regardez son ventre. Regardez. Est-ce que... Oui, tu m'insultes. Je suis le ventre. Je suis comme ça. Je suis terriblement mariée, ma chérie. C'est un homme qui m'a mis chez lui. Donc, je mange. Non, lui, mais voir comment il grossit devant lui. Allô? Toi qui t'as pris, Chevalier a mis les pieds à la tête, il t'a chassé de l'immeuble. Tu ne peux plus. Même la justice t'a donné la sommation de même pas apprêter. Approcher les 5 mètres 5. Quand tu pars, tu te mets, tu ouvres le téléphone. Voilà l'immeuble. Tu filmes l'immeuble loin. Tu peux avancer en bas. Tu peux, putain. Non. Parce que tu as fait voir Chevalier. Chevalier a seulement dit que merde. Non, ça c'est le vampirisme en plein jour. Tu es sérieuse? Tu es sérieuse? Ma chérie. Ah, ce combat. En janvier, j'ai dit que je ne suis plus là. Elle a dit que je reviens, je suis encore là. Un matin, avant qu'on me lève, je ne suis plus là. Elle a dit que je reviens, je reviens. Ma chérie, ça ne me dérange pas. C'est dans mes heures perdues. Je t'ai dit, aujourd'hui, j'avais du temps. J'ai dit, je me connecte d'abord pour le deuil. Vous voyez, non, j'ai mis mon habit noir. Je suis en deuil. OK? Sandrine que j'ai côtoyée. Jean Cancan, je vous dis, ce monsieur, c'est une bonne personne. C'est-à-dire, je l'ai côtoyé, je lui parlais tous les jours, on s'appelait. Il m'a envoyé des agents PayPal, tout ce que tu veux. Si tu veux, même dans mon compte PayPal, je le trouve dedans avec son nom de famille et tout mélangé. Allô? Pour payer ton cheval calèche, c'était PayPal qui m'avait fait. Tu comprends, putain? Tu dis bien pour payer cheval calèche, quand j'avais le souci de payer le cheval calèche, là. Vous voyez, non? Le souci de payer. Chevalier l'a chassé. Il a barré sol, terre, mais sous-sol, comme moi. J'ai dit sol, terre, air, mer, sous-sol. Jusqu'à la terre finie, plus rien à voir à faire à toi. Tu es une ordure. Il n'y a pas de spic de calife. Elle va prendre le mari où? Elle va prendre le mari où? Prends même une lesbienne, tu épouses. Enseigne les femmes comment les lesbiennes drapent. Quand c'est sorti dans la bouche de Ndema, poum, poum, elle a dit que, oh, elle voulait, ou c'est qu'elle voulait que tu la manges. Ou elle voulait. Mais je demande, hein, Ndema, nous? Toi, si tu rentres dans la danse de ta soeur qui croit que son couetou est olympique, donc moi, je vais aller vouloir. Vous fumez quoi? Vous fumez même souvent quoi? Quand vous parlez, vous vous entendez parler même. Je wonder sur vous, hein. J'ai même fait comment pour rencontrer des gens qui ont grandi dans une république de bananerais comme ça. Bah, villageoise par excellence. J'ai même fait comment pour vous rencontrer même. Bah, villageoise par excellence. Bah, personne primitive. J'ai même fait comment pour rencontrer cette racaille, cette bande de racailleux là. Mais c'est pas possible. Comment on fait pour enlever ça sur le corps? Oh my God. Mais, petit à petit, je sors brandi. Oh là là, brandi. J'ai dit brandi. Les mains clean. Les mains clean. Vous êtes venus dans mon pays. Vous avez voulu me salir dans le pays, dans la terre que Dieu m'a donnée et m'a béni dans cette terre. C'est la Bible dit que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, ce lieu je te donne. Et ça dit que le Canada, il te donne. Si tu es en France, la France, il te donne. Si tu es en Allemagne, comme Sandrine, Dieu lui a donné l'Allemagne. Elle est morte, on l'a enterrée dans son pays que Dieu lui a donné. It's what I'm talking about. Vous ne pouvez pas. On ne salit pas ce qui est propre comme ça. Vous demandez à Dieu. Demandez à Dieu.
Donc, c'était vraiment important que je me connecte aujourd'hui, malheureusement. Ceux qui ont été blessés, que j'ai heurté les sensibilités, écoutez, on ne peut pas plaire à tout le monde, voilà. Ceux qui ne sont pas contents, ben, vous savez ce que vous avez à faire. Vous vous désabonnez de mes pages. Je ne me lève pas le matin, je dis, il y a déjà combien d'abonnés? Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait, c'est la qualité. La qualité de ce que vous avez ensemble, en fait. Le, you know, la crème de la crème, c'est de ça qu'il s'agit. Et sur Facebook, il y a des bonnes personnes. J'en fais partie. Des super bonnes personnes. J'en ai rencontré des bonnes personnes. Mako le bien, c'est une super bonne personne. Oui, j'en ai rencontré beaucoup de bonnes personnes. Je ne vais pas citer les autres, mais je m'en tiens à ça. Sur Facebook, il y a trop de bonnes personnes. On ne salit pas tout comme ça. On ne détruit pas les vies des gens sans et rester impuni comme ça. Tu vas payer, Flore. Flore, machine à quelqu'un, tu vas payer. Je te dis, sincèrement, tu vas payer. Les mouches, à un moment, disaient qu'elle déprime. Aucune dépression. Tête sur les épaules. Feuille de route couverte. Je me lève à 6 heures. Je me couche à 22 heures. Et je fais tout ce que j'ai à faire de ma journée. Je mets même mon challenge. Je mets même mon programme minceur dedans. J'ai même des gens que j'accompagne, même en coaching privé pour le challenge. Pour perdre aussi le poids comme moi. Et c'est payant! Oui, oui, oui. J'ai un autre qui est entré là pour les publicités. C'est comme ça. Tout le monde va manger ce qu'il peut manger ici. Vous n'allez pas chasser quelqu'un. Ça n'appartient à personne. Vous avez compris, non? Je suis venu chez vous pour vous aider à monétiser, pour enlever le clash échangé par l'appât du gain. Mais vous n'avez pas été capable de saisir l'opportunité que je vous ai donnée. En Amérique du Nord, on capitalise. Ici, on capitalise. On n'est pas là, on ne perd pas le temps. Quand on s'en boit, après on dit, maintenant, bon, à the end of the day, Par rapport, bon, ça donne quoi? C'est, on essaye de, voilà. On ne fait pas les dans le vide comme ça, longtemps. Capitalise ici. Vous allez me pleurer toute votre vie. Je ne reviendrai plus. Est-ce que c'est clair, putain de Lille? J'ai encore quelques jours que je danse le challenge. Je danserai avec toi. Parce que tu as osé prendre ma vidéo pour te moquer de moi. Des bourrelets que tu as eu dans le temps et que tu as les couper et tu as encore eu même encore. Tu t'es moqué de moi. J'ai dit, je danse toutes mes danses avec toi. Je t'insulte copieusement comme ça, ma tante. Je ne discute avec personne là-dessus. Celui qui veut s'y prêter au jeu, je le rajoute en dedans. Je ne discute avec personne. J'ai la capacité et l'énergie pour... Vous ne pouvez pas. Vous êtes légère. Et quand elle est décidée que tu te déposes, je te dépose. Si tu veux que je revienne, j'ai le temps, je reviens. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne fais peur à personne. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu as compris? Voilà. C'est comme ça. J'en ai terminé. Passez une excellente nuit, mes fans de l'Europe. Je sais que vous êtes restés debout, je vois beaucoup d'entre vous. Désolée, mais j'aurais pu faire ce genre de direct le samedi ou le dimanche. Je n'ai pas envie de donner rendez-vous et tout. Nanana. Je me connecte, je parle, je dépose. La probabilité pour que ça part ou ça part, ça part. Je m'en fous. Paix à l'âme de Sandrine. La femme de Jean Cancan est morte. Paix à son âme. C'est de ça qu'il s'agit. Et les litchis, vous qui avez cotisé dans le litchi, qui avez donné vos montants, qui avez fait une djangui, réclamez vos montants dès maintenant. Parce que demain, on va vous dire que comme c'est encore là, il reste encore le temps et l'argent sera déjà parti. Parce que vous avez affaire à une escrotte. Une escrotte. Bonne nuit, mes fans. Demain, on danse à 8h30. 00. Ça dit que l'aiguille va se faire comme ça. Ça sera l'heure. Parce que j'ai réunion demain au travail aussi après. Après demain aussi, pareil. 8h30. Je pense, non, 9h par là, 8h30, 9h. Demain, après demain, c'est 8h30 ou 9h. Mais demain, c'est 8h30, 00. Vous avez compris, non? Voilà. Je vous aime beaucoup. Franchement, je remercie tous ceux qui me soutiennent. Vous êtes mon adrénaline. Vous êtes mon encouragement. C'est grâce à vous que mon programme fonctionne. Parce que le simple fait de savoir que vous serez là demain me pousse à être obligée d'être là. Parce que je suis une personne de parole. Vous comprenez, non? Et on saute, on s'entraide. Et même quand le challenge va finir samedi, je vais continuer à partager les anciennes vidéos. Ceux que je coach au téléphone, on continue toujours à faire le suivi pour l'alimentation, pour beaucoup d'autres choses. Et on reprend encore. Parce que moi, j'ai encore un certain 10 kilos encore enlevé dans le corps. Les gens disent non, on n'enlève pas trop. C'est parce que je sais où je veux aller. Ça ne sera pas bizarre, ça sera correct quand je vais enlever. Donc, ne vous en faites pas. Je vais essayer de travailler encore. Un 7, 8 encore. On va remettre la pendule. Merci beaucoup. Merci Élise. Bonne nuit à vous tous. Vous m'avez suivi jusqu'à la fin. Je vous adore. Bye.